Peut-être, je t'entends. Ok, excellent, excellent. Mboté, mboté, mboté. Bon, tu connais un peu comment ça marche chez les initiés. Lorsqu'on parle de l'Afrique, il est toujours bon de convier nos ancêtres, de demander la permission. C'est comme ça que nous faisons. Et j'aimerais bien que tu puisses le faire avant qu'on commence à discuter, si ça ne te dérange pas. Ah, on me dit. Non, c'est tout à fait normal dans l'ordre de nos traditions. Alors, attends, Mande. attends. On vient de me dire qu'il n'y a pas de son. J'ai juste envie. Est-ce que les amis, vous m'entendez? Est-ce que les amis, vous m'entendez? On me dit, ok. Est-ce que, Amamazama, est-ce que tu peux juste parler pour être sûr qu'on t'entend et que le problème ne vient pas? Est-ce que vous Oui, l'entendez? absolument. Vas-y. Si tu peux juste parler. Est-ce qu'on m'entend? Ok. Est-ce que vous avez entendu sa voix? Elle vient de parler, elle vient de demander si vous l'entendez. Si vous l'entendez, si vous m'entendez, mettez 5. S'il n'y a que moi que vous entendez et que vous ne l'avez pas entendu, mettez 2. Ok. Donc c'est bon? On peut faire notre bénédiction, les amis, au calme? C'est bon? Parfait. Bon, on y va. C'est bon. Tu peux y aller. Nous demandons donc une permission à nos ancêtres. Nous leur demandons leur bénédiction, leur demandons de nous continuer à nous donner le courage, la force et la protection dont nous avons besoin pour mener notre combat à son terme et voir la victoire finale de notre peuple sur ses multiples ennemis. J'invoque tout particulièrement le nom de Marcus Musaï Agarvé, différents Adiop, de Neonda, de Winnie, d'Asantewaa, de Dessalines, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, la reine Asantewaa, Nani de la Jamaïque, et à tous et toutes ceux et celles dont nous avons oublié le nom, leur demandons. Tu es encore là? Je suis là. Ok, excellent. Peux-tu expliquer pourquoi nous faisons ça? Pourquoi c'est important que lorsque nous parlons au nom de nos ancêtres, qu'on puisse les convier à nos conversations et qu'on demande des fois même la permission de parler? Pourquoi nous faisons ce type de... Pourquoi nous faisons cela? On fait cela pour plusieurs raisons. La première, c'est l'humilité, déjà. Nous savons très bien que si nous sommes là, c'est parce que d'autres sont venus avant nous. Donc déjà, nous reconnaissons qu'on est partie d'une longue chaîne de combattants, déjà et de combattantes. Il ne faut pas oublier les femmes, hein, nous avons toujours été là. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand tu vois, je fais mon invocation, je nomme toujours des femmes, parce que c'est très important. Et puis la deuxième raison, eh bien, c'est vraiment parce que nous ne sommes pas seuls et que nous avons besoin de reconnaître cette énergie-là. Nous en avons besoin pour nous-mêmes nous fortifier, nous maintenir dans la voie de la Mahat et nous donner toujours le courage, la certitude de la victoire dont nous avons besoin pour continuer à mener ce combat. Donc il y a une double raison, toujours en dernière instance, d'ordre spirituel. Ok. Justement, là, tu parles de l'ordre spirituel, tu parles de spiritualité. Qu'est-ce que la spiritualité nous apporte en plus, sachant qu'il y a déjà la religion? Pourquoi on a besoin de la spiritualité africaine? On peut se contenter juste de ce que les locodermes nous ont apporté, non? Oui, non, bon, la religion, c'est une chose, la spiritualité, c'est autre chose. La religion, c'est politique. La spiritualité, c'est vraiment la connexion avec le monde des esprits. Et c'est vraiment ce qui nous manque à nous beaucoup du fait de la colonisation, de l'esclavage, etc. Justement, que nous avons été coupés de notre sel spirituel. Donc, c'est très important que pour que nous reprenions des forces, que nous nous reconnections à cette sève spirituelle qui passe et qui commence par nos ancêtres personnels, mais aussi nos ancêtres collectifs.
Donc, c'est extrêmement important. Pour nous, Afrocentricité internationale, nous considérons d'ailleurs que c'est notre problème numéro un, c'est notre affaiblissement spirituel, notre déconnexion de ce que j'appelle la sève spirituelle, celle-là même qui nous alimente, parce que nous savons que la vie et la mort ne sont que deux aspects de notre existence. L'existence est que lorsque l'on meurt, on ne disparaît pas. Mais si nos noms ne sont pas invoqués, si l'énergie qui est la nôtre n'est pas, comment dire, stimulée, etc., eh bien, effectivement, nous disparaissons, nous devenons inutiles à notre communauté. Donc, c'est très important que nous, les vivants, nous continuions absolument à invoquer cette sève, cette force spirituelle qui est la nôtre. Tu vois, le problème qu'on a, c'est que on nous a donné la religion justement pour nous déconnecter. En nous faisant croire, en nous imposant une généalogie qui n'est pas la nôtre, une généalogie spirituelle qui n'est pas la nôtre. Donc, on nous donne un père blanc, un Saint-Esprit blanc, un fils blanc qui, soi-disant, vont nous sauver, va nous sauver. Et pendant ce temps, on ignore nos ancêtres, ceux-là même qui, en fait, nous ont tout donné, à commencer par la vie. Donc, on est en situation d'errance, vraiment d'errance spirituelle, de déprivation spirituelle, en fait. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier la spiritualité africaine? Parce qu'au final, je peux aussi adopter l'hindouisme et puis faire ce que tu me dis. Je peux pratiquer d'autres pensées hermétiques et puis faire ce que tu me dis. Pourquoi, qu'est-ce qu'elle a de particulier la spiritualité africaine? La spiritualité africaine, ce qu'elle a de particulier, c'est que c'est la nôtre. Ah oui? Je ne peux pas aller dans la maison de quelqu'un d'autre en prétendant que ça m'appartient. Tu comprends? Donc, Oui, cette je comprends. spiritualité, elle procède d'une vision particulière du monde qui est celle justement que nos ancêtres ont forgée à partir de nos observations, de nos expériences, de notre sensibilité en tant qu'Africain. Donc, moi, je n'ai pas de problème à ce que les autres pratiquent leur spiritualité. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ce qui est anormal, c'est que nous installions, ou bien qu'on nous fasse nous installer, qu'on l'accepte dans l'univers spirituel, religieux, spirituel des autres, en faisant comme si ça nous concerne. Moi, Jésus, ça ne me concerne pas. Allah, ça ne me concerne pas. Comment il s'appelle l'autre encore? Bouddha, ça ne me concerne pas non plus. Ça concerne ceux qui ont créé, n'est-ce pas, ces entités-là. Pour justement se fortifier, etc. Et je les applaudis, ils ont raison. Et d'ailleurs, ça leur rend service, on les voit. Mais Mais nous, tu trouves pas que penser comme ça, est-ce que je ne trouve pas quoi? tu trouves pas que penser comme ça, c'est quelque part être renfermé, c'est vivre en dehors de son époque, vivre dans ton Mais petit pas coin à l'Afrique. C'est quand même bien de découvrir ce qui se passe avec les autres spiritualités. Tu peux prendre l'intelligence partout où elle est. S'il y a quelque chose de bien dans le bouddhisme, tu peux le prendre. S'il y a quelque chose de bien dans le christianisme, tu peux le prendre. Non, 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 c'est pas un supermarché, hein, tu vois, c'est ça le problème. T'adore, toi. Tu vois, c'est ça le problème. Elle est excellente. On est dans l'incohérence, dans la contradiction, c'est une espèce, en Guadeloupe, on appelle ça un manger cochon, Ouais. où on fait, on ne sait même pas pourquoi on fait ça, et ça n'a plus aucune espèce, aucune cohérence. En fait, chaque système a sa cohérence interne qui est donnée par la vision du monde qui a produit cette spiritualité-là, tu vois? Donc, c'est un tout qui est cohérent quand il est pris comme tout. Mais quand tu ne prends que certains aspects, ce qui t'arrange, eh bien, comme je dis, on est au supermarché et on est vraiment dans l'utilitaire. Aujourd'hui, j'ai ce fromage-là, demain, je le laisse parce que je n'ai pas trop aimé, je vais aller en prendre un autre. Tu vois, ça n'a aucun sens. Ça devient vraiment, on est vraiment dans l'arbitraire. Et puis encore, il y a une question fondamentale, à savoir que on est quand même mieux chez soi. Et si je vais voir ailleurs, ça veut dire que quelque part, chez moi, ce n'est pas bien. Or, je ne pourrais jamais accepter, je ne pourrais jamais dire une chose pareille. Alors, je ne dis pas que chez moi, c'est absolument mieux que chez les autres. Chez moi, c'est mieux pour moi. Et les autres, c'est mieux pour eux. Wow. Tu comprends? Bon, mon approche intellectuelle, oui, je me renseigne, j'apprends un peu ce que c'est que l'islam, le christianisme, le bouddhisme, l'hindouisme, tout ça. Oui, j'ai lu là-dessus, mais je n'entre pas dedans, tu vois, spirituellement. Parce qu'encore une fois, nous, les Africains, nous avons un système spirituel extrêmement riche,
extrêmement intense, tu vois. Et je n'ai retrouvé ça nulle part ailleurs. Moi, non, j'ai ce qu'il me faut chez moi, en fait. Donc, je suis bien chez moi et j'ai tout ce qu'il me faut chez moi. Donc, pourquoi je vais aller m'installer chez les autres? C'est À comme je... moins que j'ai un complexe d'infériorité et que je dise que les autres font mieux. Ça, c'est impossible. Attends, tu sais, quand tu parles, j'ai l'impression que tu bouges beaucoup, du coup, il y a du vent, il y a plein de choses. Donc, essaie de trouver une, Ah bon? trouve une position vraiment, est-ce que tu as un kit main Parce que libre? je tiens le téléphone, alors peut-être que c'est pour ça. Ouais, parce que ça bouge beaucoup et on t'entend. Ce que tu dis est très intéressant, mais ça fait beaucoup de bruit. D'accord. Voilà. Je vais poser le téléphone. Je vais voir si ça va mieux, d'accord? Ouais, essaie de faire ça, s'il te plaît. D'accord. Elle a dit que c'est pas un supermarché. On va pas aller prendre là et puis prendre. Après, tu prends pas les tomates d'Auchan, puis après tu prends, tu mélanges les carottes de machin truc. Non, 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 c'est pas comme ça. Elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça. Elle dit que c'est pas un supermarché. Donc, j'essaie de voir son d'avoir son avis, mais elle a été cash avec moi. On attend qu'elle se connecte. Parce que j'en ai pas mal des questions comme ça Connecté, hein. Tu m'entends là. pas? Je C'est suis bon, connectée. c'est Hein. bon. C'est bon, c'est bon, tu m'entends? Oui, très bien, vas-y. Voilà. Ah, mais toi, tu as été cash avec moi. Tu m'as dit non, c'est pas le supermarché, attention. Tu prends. Tu sais, c'est pas seulement pour la spiritualité, mais même tous les aspects culturels, tu vois. On pense que voilà, je peux faire ci, je peux faire ça, mais après, on devient totalement incohérent, tu vois. Et on ne peut même pas s'expliquer à soi-même pourquoi on fait ce qu'on fait. Et c'est ça, donc, ça devient sans sens, en fait. On est comme des guignols, en fait, manipulés. On te dit d'aller à gauche, tu vas à gauche. On te dit d'aller à droite, tu vas à À droite, ouais. droite. C'est bon, tu arrêtes, tu arrêtes. Tu vois, parce que toi-même, tu n'as pas de ligne directive très claire. Or, ta spiritualité, elle te donne cela. Mais Et quand on j'ai envie de rester encore sur cet aspect-là. C'est vraiment pour te titiller un peu, d'accord? Il y a des gens qui vont te dire, mais écoute, Mamazama, quelque part, ce qu'elle dit, elle ne maîtrise pas le sujet. Quand même, le christianisme, c'est quand même les Africains qui sont l'initiative de cela. Jésus était bien noir, non? Dans la Bible, il y a certaines choses qu'on nous cache, parce que les vrais Hébreux étaient des Noirs. D'ailleurs, même dans l'islam, là, c'était des Africains à la base. L'islam, c'est bien des Africains. Et votre Diop, là, que vous tout le temps vous encensez, c'était bien un musulman. Donc, quelque part, à Mamazama, j'ai l'impression que elle ne maîtrise pas trop. Désolé. Hein. Bon courage. Ouais. Comment ça, le problème, c'est que c'est nous qui manquons vraiment de courage. On ne veut pas voir les choses en face. On ne veut pas admettre que si nous sommes chrétiens ou musulmans aujourd'hui, c'est vraiment parce que nous avons perdu une sérieuse bataille. C'est parce qu'on a été mis en esclavage, on a été colonisé. On ne veut pas l'admettre. Donc, on se raconte des histoires pour arriver à rationaliser notre manque de lucidité, surtout notre manque de courage. Donc, on se raconte des histoires. On va vous dire, oui, c'est les Noirs qui ont écrit la Bible, que Mahomet était noir, ou je ne sais pas quoi, ou Jésus était noir. Bouddha était noir, tout le monde était noir. Voilà, tout le monde était noir. Le seul problème, c'est que, évidemment, quand on regarde de façon honnête, hein, de façon honnête, les conditions d'entrée du christianisme, de l'islam en Guadeloupe, en Afrique, dans le monde africain, on comprend vraiment que c'était un rapport de force vraiment extrêmement violent, extrêmement cruel et qui reposait sur l'idée en fait que nous les Africains n'étions absolument rien, que nous étions en fait des émanations sataniques. Donc ça c'est le premier point. Deuxièmement, il n'est pas question de nier effectivement l'influence de l'Afrique sur le christianisme ou l'islam, mais il faut aussi reconnaître qu'il y a de vastes différences sur le plan théologique, sur le plan philosophique, qui font qu'on ne peut vraiment pas dire que l'islam et le christianisme sont des traditions africaines. Il y a en fait des choses qui sont au cœur de nos traditions, qui sont absolument prohibées par l'islam et le christianisme. Par exemple,
ce qu'on appelle la transcendance spirituelle, par exemple, par la divination, quand on fait venir un esprit. Ça, c'est absolument prohibé par l'islam et le christianisme. La notion d'enfer, de paradis, qui nous sommes totalement étrangères, la notion de sauveur, même la notion de prophète, toutes ces choses qui sont au cœur de l'islam et du christianisme et qui n'existent absolument pas dans notre tradition, pour la simple et bonne raison que nous n'avons pas péché, donc nous n'avons pas besoin de sauveur, nous n'avons pas besoin de prophète parce que nous avons nos ancêtres, etc., etc. Donc, tu vois, c'est bien de dire que tout est noir. Et puis, quand on regarde aussi l'islam et le christianisme, on voit que ce sont vraiment des projets, que l'islam, par exemple, c'est du nationalisme arabe, que Mahomet a créé, vraiment adopté l'islam pour renforcer son peuple, donner des points de repère très forts à son peuple. Et il y a réussi. Et le christianisme, c'était pareil avec l'empereur Constantin en 325, qui avait besoin de fortifier l'Empire romain qui est en train de partir dans tous les sens. Donc, la religion, c'est du nationalisme. Alors, l'islam, c'est du nationalisme arabe. Le christianisme, c'est du nationalisme européen. Et ça ne nous concerne pas. En fait, ce sont des nationalismes qui nous ont fait énormément de mal et qui continuent à nous faire énormément de mal. Excellent. Diop était musulman, mais on m'a expliqué qu'en fait, c'était plus par tradition, que lui-même, il ne pratiquait pas vraiment, et puis qu'en fait, il ne pouvait pas renoncer à l'islam publiquement, sinon on l'aurait tué. Parce que là, on a fait... Je veux que tu prennes le temps. Non, attends, parce que c'est important ton argument, là. Moi... On va prendre un peu le temps et tu vas tout nous redire au calme. Voilà. Donc, répète-toi zéro. Diop. Diop était donc musulman, mais il m'a été expliqué, j'étais au Sénégal le mois dernier encore, et effectivement, on me disait que Diop ne pratiquait pas vraiment l'islam, mais qu'il ne pouvait pas renoncer à l'islam publiquement parce que sinon on l'aurait tué. Voilà. Et vous avez des Sénégalais musulmans qui vous disent ça très calmement et qui trouvent ça tout à fait normal. Donc, cela amène aussi à se poser des questions sur cette religion-là. C'est-à-dire que si tu la quittes, on a le droit de te tuer. L'islam donne le droit de te tuer parce que tu sors de l'islam. Il n'y a aucune tradition africaine qui dise cela. Dis-le. Voilà. Moi, je suis venue au Vaudou. Si demain, un coup de folie me passe par la tête et que je décide de renoncer au Vaudou, il n'y a rien dans la tradition vaudou qui dise qu'il faille me tuer ou qui donne le droit que ce soit de faire cela parce que j'ai décidé que. Tu vois, donc il y a cette intolérance, cet extrémisme-là aussi qu'on ne trouve vraiment pas dans notre tradition. Mais donc, on n'avait pas le choix vraiment, sinon on l'aurait tué. Et les musulmans sénégalais eux-mêmes l'auraient fait. Ça, c'est vraiment. C'est vrai que j'avais jamais pensé à ça, mais tu as totalement raison. Tu as totalement raison. Cela m'a été dit très calmement, encore une fois, le mois dernier, quand j'étais à Dakar. Et encore une fois, moi, ce qui m'a choqué, c'est que ça ne choquait personne, tu vois. Et Diop a écrit là-dessus. D'ailleurs, nous avons l'ancien Chinouti de Haï, Côte d'Ivoire, le frère Adama Traoré, qui a fait un livre, justement, sur la réflexion de Diop sur la question de la religion. Et il disait, bon, il ne pouvait pas le dire ouvertement, mais il disait que c'était une question fondamentale, mais qu'il fallait la traiter avec beaucoup de précautions, justement parce que cela peut se terminer mal. Mais il appelait ouvertement à ce qu'un nouveau clergé africain arrive pour, comment dire, remettre... si tu veux, à l'ordre du jour, la tradition africaine, pour qu'elle soit pertinente pour notre réalité d'aujourd'hui. Et il donnait, il avait des instructions très claires, qu'il fallait donc une théologie bien établie, un clergé, des temples, pour la tradition africaine. Il ne parlait pas du tout de l'islam. C'est vraiment... Il faut qu'on le rappelle, hein, l'apostasie chez les musulmans, c'est peine de mort. Hein. Ici, c'est pas dans des pays comme ça où la population est bien ancrée dans l'islam, surtout chez les nègres, là où on aime bien faire du zèle. Je peux vous dire qu'il y a des conséquences. Hein. C'est pas ici à Paname où tu dis des choses et tu sais qu'il n'y a aucune conséquence. Donc je pense qu'il avait bien conscience de cela. Je pense que même moi, à sa place, j'aurais fait la même chose. Je pense. Hein. Vu la pression de la famille, vu la pression de tout cela, je pense que j'aurais fermé ma gueule sur ces points-là.
Non, mais c'est vrai, parce que apparemment, en plus, il appartenait à une confrérie, il appartenait à une famille musulmane très connue et tout, donc ça aurait été particulièrement épineux. Si tu es un anonyme, que tu n'es pas vraiment dans une confrérie, etc., etc., peut-être à la limite, tu peux faire en douce, mais là, avec le profil qu'il avait, c'était tout simplement impensable, ça aurait été un arrêt de mort. Qu'est-ce que tu dis, toi, des gens qui vont nous dire, mais votre histoire de spiritualité, là, c'est quoi votre livre? C'est quoi? Parce que nous, on est musulmans, il y a le Coran, on a un livre qui nous permet de donner des instructions de quoi, comment et tout ça. Les chrétiens, ils ont un livre, les juifs, ils ont un livre, mais vous, votre histoire, là, vous parlez, où est votre livre? Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi? Pourquoi nous, on n'a pas de livre? Si on a un livre, hein, Afrocentricité internationale, on a fait un livre qu'on appelle le livre de gloire. Et donc, les membres d'Afrocentricité internationale ont leur livre sacré. Nous avons nos rituels aussi. Mais il y a des choses qu'on ne doit pas écrire. Tu comprends? Il y a des choses qui ne peuvent pas tomber entre les mains de n'importe qui, sous les yeux de n'importe qui. Dis-le. Donc, il y a une limite à ce que l'on peut écrire. Et c'est des choses justement qui sont transmises oralement à des gens qui s'engagent à tenir le secret, sinon là, ils acceptent effectivement de payer le prix le plus fort, dans certains cas, hein, le prix de leur vie, ils acceptent que s'ils trahissent les secrets de l'Afrique, eh bien, ils acceptent de mourir. Et ça, mais ça, c'est au moment de l'initiation que l'on prête serment, n'est-ce pas? Et donc, il est hors de question d'écrire quoi que ce soit, de mettre quoi que ce soit par écrit. Et c'est ce qui nous a permis de protéger nos traditions, comme la tradition vaudou, par exemple. Au moment de mon initiation, le premier serment que j'ai dû prêter, c'est que je n'allais jamais trahir l'Afrique. Dis-le, maman. Tu as prêté serment? J'ai prêté serment au moment de mon initiation au vaudou, et le premier serment que j'ai prêté, c'est que je n'allais jamais trahir l'Afrique. C'est quoi les conséquences? Les conséquences, j'ai accepté de mourir. Waouh. C'est courageux. Je dis que c'est courageux parce que nous parlons beaucoup de nous autres là, les Noirs. Nous parlons vraiment beaucoup hein, de ces histoires de réseaux dans les réseaux sociaux. Mais personne n'est capable aujourd'hui d'engager sa vie pour le combat. Parce que les gens ont des priorités. Tu sais, c'est quoi leur priorité dans la vie? Leur priorité, c'est leur boulot. Non. Leur priorité, c'est l'appartement, c'est la voiture, c'est le salaire. La priorité, c'est la femme. La priorité, c'est acheter les Nike, les machins, les trucs et les TikTok et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est les mêmes qui vont te dire que oui, c'est le combat, mais lorsqu'il faut s'engager, qu'il faut mettre sa vie en ligne, à ce moment-là, les gens buguent. Et quand j'entends ce que j'entends là, ce que tu viens de me dire, waouh, je dis, ça existe encore des gens comme ça là. Donc je suis un peu confiant. Et j'aimerais bien les rencontrer en dehors de toi, parce que c'est bon, toi, on te connaît, mais j'aimerais bien rencontrer des gens comme toi là, des autres. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, parce que ça m'a touché, ce que je vais entendre. Mais tu sais, je pense que si on était justement plus ancré dans nos traditions et qu'on prêtait serment, tu vois, parce que là j'ai prêté serment, je pense qu'on serait beaucoup plus solide. Tu comprends? Quand tu prêtes serment, si tous nos présidents, là, à moitié président, enfin, bref, ils prêtaient serment devant les ancêtres, etc., tu vois, je pense qu'on aurait quand même autre chose. Le pire, c'est que nous sommes familiers aux serments, puisque les serments sont partout chez les locodermes. Ils sont à travers les contrats que nous signons dans nos bails. Lorsque nous travaillons, nous signons des contrats où on engage des fois nos biens, des fois notre argent, des fois même des fois notre propre liberté. Hein. On signe certaines choses, il y a des répercussions, tu vas en tôle. Ça ne nous dérange pas, hein. On signe tout cela aveuglément. Mais lorsqu'il s'agit des Africains que tu peux signer ou en tout cas dire, écoutez, je m'engage envers mes ancêtres et que si demain je ne respecte pas cela, ben qu'il arrive ce qui doit arriver envers moi, ma famille, ma descendance. À ce moment-là, si tu crées une organisation et que tu dis que les gens doivent répéter ça et qu'on égorge un poulet et que tout le monde valide, à ce moment-là, tout le monde va fuir. C'est ça que je ne comprends pas en vérité. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, pas forcément. Tout le monde ne va pas forcément. Dans Haï, on prête serment dans Haï. Dans Haï, on prête serment? Ok. Bon, en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que c'est comme ça, en vérité, qu'on devrait faire les choses. On ne peut pas faire des choses sans s'engager. Engager, c'est engager vraiment.
Tu vois, parce qu'on le fait en vérité, on le fait partout, chez les Blancs, on le fait. Ça ne nous dérange pas de nous engager. Ouais, mais ce n'est pas à ce niveau-là, tu vois. Ouais. Mais ça Donc. devrait l'être. Ça devrait l'être à ce niveau-là. Voilà. Non, mais je les serments que chez les Blancs, c'est pas très sérieux. Je veux dire, si je signe pas, Mais maman, tu je sais, m'en là, tu as sors. parlé de tout à l'heure de nos chefs d'État africains, mais tu crois quoi? Ils sont dans la franc-maçonnerie. À ton avis, quel type de serment ils ont dû prêter? La plupart d'entre eux, C'est ils ça. sont dans la maçonnerie et encore, ils ont d'autres sectes qu'ils ont créées en parallèle pour avoir tous les pouvoirs et tout cela, tout cela. À ton avis, quel type de pacte ils ont dû signer? Mais ça ne les dérange pas. En tout cas, ce n'est pas avec les ancêtres qu'ils ont signé un pacte, ça c'est Bah clair. oui, voilà. Tu vois. Mais bon, on va évoluer et on va parler un peu de l'éducation au final, parce que tout cela, c'est l'éducation. Moi, ce que j'ai envie de savoir, qu'est-ce que l'éducation afrocentrée là Ah si, je t'ai posé cette question-là au départ. Je sais même plus si je te l'ai posée. Mais tant pis si je ne te l'ai pas posée. Si je l'ai posée, ben je la repose quand même. Puisque c'est de ça que nous allons parler. L'éducation afrocentrée, le fait qu'on soit afrocentré là. C'est quoi la différence? Parce que, écoute, avec l'éducation des locodermes, on s'en sort bien, non? On parle bien le français, on est là, on a des diplômes, on travaille pour eux. Je veux dire, c'est du bon. Donc l'éducation à être encore dans le passé, est-ce que ça va nous apporter quoi au final? Non, on ne s'en sort pas si bien que ça. Oui, on a des diplômes, mais je dis toujours qu'il y a une différence entre un diplômé et puis un intellectuel Ah ou ouais? une intellectuelle. Bon, donc, le diplôme, on en a, c'est pas compliqué, hein, c'est pas si difficile que ça, leur truc, hein. Mais de base intellectuelle, ça, c'est autre chose. Et en fait, le système eurocentrique, éducatif eurocentrique, justement, nous vide intellectuellement, nous transforme en perroquet. Donc, on est dans le mimétisme paradigmatique, on répète leurs trucs, on répète leurs théories, leurs concepts, on répète ce qu'ils nous disent de répéter, ce qu'il faut répéter pour réussir à l'examen, on le fait bien. Donc, on a des diplômes, plein de diplômes, mais intellectuellement, on est complètement vidé. On est complètement vidé. Et le résultat, c'est quoi? C'est que nous sommes complètement ignorants de nous-mêmes. Et vraiment, ça a des implications profondes. Et deuxièmement, nous avons une estime culturelle collective qui est très faible. C'est-à-dire que nous, notre formation nous apprend en fait à nous dénigrer. Tu vois? Donc, tu as des Africains qui vont avoir des doctorats en économie, en sciences politiques ou autres, et puis qui vont te dire que le problème de l'Afrique, c'est qu'elle est sous-développée. Ils vont même faire des livres là-dessus, tu vois. Et même des gens qu'on aime bien, hein, pense à quelqu'un comme Walter Rodney, qui était du Guyana, et qui a écrit un livre sur comment l'Europe a sous-développé l'Afrique. Il avait de bonnes intentions, je n'en doute pas. Comme ceux qui parlent du développement de l'Afrique comme un problème qu'il faut régler, c'est le problème numéro un de l'Afrique, son sous-développement. Mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est que quand on tient ce genre de discours, on est vraiment dans un paradigme eurocentrique, qui est un paradigme raciste et qui est un paradigme qui prend l'Europe comme point de référence. Donc si tu n'es pas comme l'Europe, c'est qu'il te manque quelque chose. Et comme on a aussi le mythe de l'universalisme que l'Europe propage, parce que c'est important pour l'Europe de s'ériger comme modèle même de l'humanité, ou comment dire, que être humain, c'est être européen, n'est-ce pas? Donc, il faut qu'il n'y ait qu'une façon d'être au monde. Donc, quand on est dans ce paradigme, ce discours de l'Afrique sous-développée, ben on est dans ce discours raciste qu'en fait, on reproduit et que l'on renforce. Donc c'est vraiment problématique. Donc, d'une part, ignorance de nous-mêmes, et d'autre part, mépris pour nous-mêmes, en fait. Et donc, l'éducation afrocentrique, camitocentrée, comme on veut l'appeler, est une éducation qui entend remédier à ces deux problèmes fondamentaux. L'un, en nous permettant d'acquérir des connaissances sur nous-mêmes, notre histoire, notre culture, notre façon de penser, notre façon d'être.
Et deux, nous permettre de reprendre confiance en nous en tant qu'Africains. Ne pas croire que tout ce que nous pouvons faire, c'est imiter l'Europe, surtout une Europe décadente. Mon texte, c'est un de mes sujets préférés de conversation, l'Europe décadente. À mon avis, vraiment, nous avons mieux à faire que d'imiter l'Europe. En fait, non seulement nous avons mieux à faire, mais c'est même un impératif. Même un impératif de ne pas imiter l'Europe. Donc, l'éducation afrocentrique, afrocentrée, comme on peut l'appeler, a ces deux objectifs-là qui sont extrêmement, extrêmement importants. Prendre conscience de nous. Mais quand tu dis prendre conscience de nous, qu'est-ce que tu veux dire? On n'a pas conscience que nous sommes noirs. On n'a pas conscience que les noirs souffrent. On n'a pas conscience que les noirs, on est bon au football et tout cela, tout cela. Tu veux qu'on prenne conscience de quoi d'autre qu'on ne sait pas? Qu'on ne mange le manioc, qu'on danse bien? Qu'est-ce qu'il y a d'exclusif? On est conscient, non? C'est Non, on pas n'est pas assez? conscient. Non, mais ça, justement, ça, ce sont des distractions. Encore une fois, c'est l'image de nous qu'on nous projette, comme si, bon, tout ce qu'on peut faire, c'est jouer bien au foot, danser bien, etc., etc. Quand même, nous sommes les progéniteurs de l'humanité. Nous sommes les inventeurs de la civilisation humaine. Je tiens à rappeler que nous avons, en tant qu'espèce humaine, nous avons passé 70% de notre existence en Afrique. Donc, si nous avons 10 ans, pendant les 7 premières années de notre existence, nous n'aurions été qu'en Afrique. Et donc, il s'est passé des choses phénoménales en Afrique, à l'origine desquelles nous, les Africains, nous sommes. Or, nous ne connaissons pas toutes ces choses-là. Encore une fois, c'est l'éducation eurocentrique qui fait que, par exemple, quand j'ouvre un livre qui, par exemple, livre de philosophie, ça va commencer avec Platon ou avec Socrate. Et donc, la conclusion, et tous les philosophes dedans, ce seront des blancs. Et donc, la conclusion que je vais tirer automatiquement, c'est qu'il n'y a que les blancs qui aient philosophé. Si je prends un livre de physique, de temps en temps, on va avoir des photos des gens qui ont inventé des trucs, c'est toujours des blancs. Donc, toujours, c'est toujours eux qui ont toujours tout fait. Ben c'est la vérité. Et C'est la vérité. C'est les cela, blancs qui ont tout inventé. Tu ne le savais pas. Tu ne savais pas que les blancs ont tout inventé. Tu découvres. justement pas, tu vois. Donc, encore une fois, ils se placent toujours automatiquement au début de tout, comme ils te disent que Colomb a découvert l'Amérique, que tu vois, tout commence par eux. Tout commence par eux, tout finit avec eux. Or, donc, nous sommes complètement invisibles. Et quand on nous mentionne, c'est toujours par rapport à eux. Par exemple, nous étions leurs esclaves. Tu vois, là, on va parler de nous comme esclaves des Blancs. Donc, toujours une situation de subordination par rapport à eux. Et ça nous donne un super complexe d'infériorité. Et ça nous amène à développer ce que j'appelle le syndrome de la validation blanche. C'est-à-dire que Wow. quoi qu'on fasse, il faut que le Blanc disent oui, c'est bien. Si le blanc dit oui, c'est bien, là, on est content, on y va. Mais si le blanc dit non, c'est pas bon, eh bien, on ne fait pas. Donc, on a vraiment une complète infériorité par rapport à ça, mais ça, c'est normal. C'est vraiment normal. C'est normal. Moi, j'ai grandi en Guadeloupe. Sincèrement, je n'ai jamais rien appris. On ne m'a jamais parlé de Noirs qui ont fait quoi que ce soit. Peut-être juste Césaire qui avait écrit donc un poème. Et puis, je crois que ça s'arrêtait, ça se limitait à ça. Et l'Afrique, évidemment, encore moins. D'ailleurs, on ne voulait pas parler, c'était tabou. L'Afrique, c'est le continent sauvage, barbare, il y a des cannibales là-bas. Jamais on ne m'a dit que l'Afrique était le berceau de l'humanité. Jamais on m'a dit, on m'a parlé des pyramides. Quand on parle des pyramides, ben c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est les Arabes, donc c'est pas nous. On ne savait même pas que l'Égypte était en Afrique, hein, limite. Quand on voyait les Égyptiens, ils étaient toujours blancs. Donc, on a un complexe d'infériorité, il faut le dire. C'est un problème qu'on a et qu'il faut absolument qu'on résolve et qui a été créé par l'éducation eurocentrique qui continue à nous faire croire que nous ne sommes rien, que nous n'avons jamais rien fait. Donc, dès que quelqu'un a fait quelque chose, on s'accroche, on est tellement content. Il y a la petite Nigériane qui est première mathématicienne, on est tellement content, ça nous rassure que quelque part où on peut faire des maths, mais nous avons quand même inventé les mathématiques, on ne devrait pas être surpris de la brillance d'une des nôtres. Après tout, ce sont ses ancêtres qui ont créé les mathématiques. C'est vrai, c'est vrai. J'ai retenu quelque chose là, c'est le mimétisme paradigmatique. Waouh, là tu as fait quand même fort, hein. Je l'ai mis de côté celle-là. Je pense qu'il y a une émission que je ferai là-dessus, parce que j'aime beaucoup ça.
Alors, on va un peu évoluer. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est qu'une fois qu'on a pris conscience, c'est-à-dire que dans le sens que toi, tu veux nous expliquer, là, une fois qu'on a conscience de ça, quelle est la mission? Quelle est la mission? Maintenant que tu sais, c'est quoi maintenant que, qu'est-ce que ça change au final? Mais ça change beaucoup de choses. Ça change que. Voilà, mais ça change que bon, maintenant que je suis dans mon paradigme afrocentrique, maintenant que je commence à voir les choses à ma façon, maintenant que j'arrive à déconstruire le discours eurocentrique, que j'arrive à comprendre justement toutes ces théories, tous ces concepts qu'on nous balance à longueur de journée pour nous convaincre que l'Europe, c'est le modèle supérieur, etc., que tout le monde doit faire comme les Européens, maintenant j'ai les yeux vraiment ouvert et un regard critique. Donc déjà, il faut avoir un regard critique, ça te donne ça. Tu commences à déconstruire l'Occident, tu commences à problématiser l'Occident, tu commences déjà à ne plus accepter tout ce qu'on te raconte. Enfin, même tu te méfies de ce qu'on te raconte, parce que tu sais qu'en fait, c'est de la propagande, c'est du bluff, ce sont des mensonges pour la plupart. Et maintenant, tu aussi, tu as d'autres bases, parce que bon, c'est pas tout d'être critique, de déconstruire, mais il faut s'ancrer quelque part. Mentalement, tu t'ancres chez toi, tu t'ancres dans ta tradition. C'est pour ça que les ancêtres sont aussi importants, parce que ce sont eux qui ont créé cette tradition-là. Donc, on est connecté à eux spirituellement, mais aussi connecté à eux culturellement, mentalement, psychologiquement, en retournant vers ce qu'ils ont créé et qu'ils nous ont laissé, mais qu'on nous a fait délaisser. Donc, on retourne, on réactive, si tu veux, quelque part, ces traditions, notre africanité, de façon consciente. Et on est, pour une fois, content d'être nous-mêmes. Donc, en gros, tu es en train de dire, tu es en train de dire qu'il faut revenir en arrière avec les mêmes choses qui nous ont fait, qui nous ont mis dans la position d'esclavage. Donc, on repart en mode string, feuille de banane pour cacher le sexe. On repart avec les maisons, comment on appelle ça, faites avec des feuilles de banane, en espérant que ça va empêcher les roquettes, ça va empêcher les drones, ça va empêcher tout cela de nous attaquer. C'est ce que tu es en train de dire. Il faut revenir en arrière parce que c'est en arrière, c'était mieux. Mais en arrière, ça nous a mis à l'échec. Je fais exprès de poser cette question. Mais je ne parle pas de revenir en arrière. Je parle de revenir à des valeurs. Tu vois? C'est différent. Revenir à des valeurs. Par exemple, dans nos traditions, la communauté est beaucoup plus importante que l'individu, que la personne individuelle. Tout le monde a des valeurs. Dans notre tradition, il y a une complémentarité asymétrique entre l'homme et la femme. Tu vois ? Donc, quand par exemple, on vient nous balancer des histoires de mariage pour tous, on a des valeurs. Et on se dit, non, mais il faut attendre là une minute. L'histoire de mariage pour tous, là, c'est quoi ? Ça, c'est des trucs d'Européens. Peut-être que dans leur culture, leur vision du monde, où la femme et l'homme sont ennemis, d'ailleurs, dans leur langue, ils te disent que l'homme, ce sont des sexes opposés. On comprend, peut-être. Mais pour nous qui sommes africains, nous savons qu'il faut une femme et un homme pour la vie, pour créer la vie. Ah ouais? Donc, mais ça, c'est fondamental. Hein. Même chez dans les végétaux, tu as toujours ça à tous les niveaux. Si tu n'as pas cette rencontre, n'est-ce pas, entre le mâle et la femelle, un élément mâle et un élément femelle, il n'y a pas de vie. Ouais, mais les choses ont un peu changé là-dessus. Tu n'es pas au courant. Oui. Aujourd'hui, il y a quand même il y a un grand mouvement auquel nous sommes tous alliés. Hein. Tu sais, à partir du moment où tu es dans ces combats contre le racisme, tout cela, tu es déjà un membre de la LGBT. Donc, quelque part, et là-bas, il y a quand même l'adoption, c'est l'autre option. C'est-à-dire qu'on peut être avec un couple homme-homme, femme-femme, mais bon, on adopte. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, tu es un peu démodé, maman. Il faut te mettre à jour. Non, je suis pas démodé. J'ai des valeurs et je dis bon sens à l'Afrique. Tu vois, ouais. Franchement, moi je ne dis pas qu'il faille harceler qui que ce soit. C'est pas du tout ça mon propos. Je suis pas dans la haine. Je suis pas dans la haine du tout parce qu'en fait je suis dans mon africanité. Je suis bien dedans. Ce n'est pas nous qui faisons le tour du monde à tuer les gens pour les forcer à être comme nous. C'est pas ça n'a jamais été notre démarche. Mais ma démarche à moi, elle est très simple, encore une fois, de rentrer chez moi et d'examiner, n'est-ce pas, ces valeurs-là, au nom desquelles, je voulais dire, je suis désolée, mais ça ne m'intéresse pas. En tant que femme, sincèrement, je comprends
qu'il me faut un homme, il me faut pas, et c'est pas une femme qu'il me faut, je suis désolée. Et encore une fois, pas par, c'est même pas une question de préférence personnelle, mais il s'agit d'une vision du monde qui est la mienne en tant qu'Africaine, encore une fois, qui affirme qu'il y a une complémentarité asymétrique entre l'homme et la femme. Je dis asymétrique, pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans l'égalité. Nous ne sommes pas dans l'égalité. Ça encore, c'est une problématique, tu vois, eurocentrique. Nous reconnaissons que les femmes ont des particularités et que les hommes ont les leurs. Et qu'ensemble, nous formons un tout qui donne la vie et qui maintient la vie. Donc moi, en tant que femme, je n'essaie pas de faire ce qu'un homme fait. Je ne suis pas un homme. Ça, c'est le féminisme. Tu vois, donc tu as ces femmes qui pensent qu'elles peuvent faire ce qu'un homme et qu'être égale, ça veut dire faire comme un homme, même devenir un homme. Ça, c'est leur paradigme, ce n'est pas le nôtre. Mais ça se trouve que nos ancêtres se sont trompés. Ça se trouve que l'homme et la femme, ben, ils sont égaux. Peut-être que les locodermes ont raison. Tu sais, les locodermes, ils ont toujours raison. Parce qu'au départ, ils maltraitaient les femmes. Puis ils se sont rendus compte que non. L'homme et la femme, c'est pareil, c'est égaux. Donc, quelque part, il faudrait peut-être s'aligner, non? Même pour toi, là, t'as pas, tu trouves pas que c'est bien pour toi le fait qu'on puisse te dire que l'homme et la femme, c'est pareil, c'est tout le monde égaux. Ça te Non, dérange? mais non. Oui, ça me gêne beaucoup. Moi, je ne suis pas l'égale d'un homme, je ne suis pas un homme. Je ne sais pas à partir de quoi, même on va se comparer. Ah Nous ouais. sommes complémentaires. Dès qu'on ne pose pas la question en termes d'égalité, mais en termes de complémentarité. Ça, c'est l'Afrique pose la question comme ça. L'Occident pose la question en termes d'égalité. Tu vois, donc ça, c'est des valeurs différentes, une vision du monde qui est différente. Bon, maintenant, si eux, ils veulent poser la question en termes d'égalité, ça, c'est leur problème. Mais qu'ils ne viennent pas me fatiguer avec ça. Un homme n'est pas l'égal d'une femme et une femme n'est pas l'égal d'un homme. Nous sommes différents, mais et complémentaires. C'est-à-dire que nous avons besoin les uns des autres pour que la vie continue. Qu'est-ce que tu dirais, toi, puisque nous parlons de l'éducation, mais comment nous autres, là, nous pouvons faire de l'éducation si déjà les couples, c'est pas du bon? Tu sais, aujourd'hui, c'est très, très rare de voir des gens qui sont ensemble depuis plusieurs années, parce qu'on est dans une époque, en vérité, il n'y a plus, comment je peux dire ça, c'est plus comme nos parents, hein, qui sont restés pendant plusieurs années ensemble. Ici, là, c'est la moindre dispute, je change, je prends une autre. Donc, comment nous allons faire l'éducation si déjà les parents qui sont censés être éduqués sont mal éduqués? Tu vois, après, c'est un paradoxe. Ben voilà, mais c'est, tu vois, c'est pour ça qu'à Afrocentrisme International, on a créé ce programme justement de formation des parents. On n'a pas commencé à proposer un programme pour les petits, on a commencé à proposer un programme pour les grands. Merci. Parce qu'on s'est dit, on éduque les petits. Donc, on propose ce programme qu'on a développé, tu vois, depuis le mois de février, justement, une formation en pharmacologie pour donner ces connaissances, cette confiance en soi. Pas forcément découler à des adultes veulent justement pouvoir être de bons et de vrais parents, ou puis de vrais Kamites, en fait, dans le monde et savoir un peu comment s'orienter, etc., etc. Parce que c'est vrai qu'on est perdu. On est perdu parce qu'on les imite, hein. Et comme je disais, eux-mêmes, ils sont perdus. Ils sont vraiment perdus. Donc quand on les imite, on ne peut être que perdu. C'est vrai. Et qu'est-ce que dans l'éducation des parents, là, quelles sont les choses sur lesquelles, à ton avis, juste ton avis personnel, on doit se reconcentrer? J'ai compris, hein, il faut revenir à la spiritualité, j'ai compris, mais sur un plan beaucoup plus large, c'est-à-dire c'est pas juste le plan personnel, c'est pas juste le plan culturel, mais le monde nous attaque. Tu sais, à travers les réseaux sociaux, nous sommes attaqués en regardant certaines choses qui ne sont pas de notre culture. Mais à force de regarder tout cela, tu commences à accepter cela. Donc, à travers la télé, à travers les publicités, à travers partout au boulot, tu vois bien que tu es constamment harcelé. Même sans te rendre compte, tu vois, moi, des fois, je marche dans la rue, je vois un gros panneau publicitaire qui partagent pas du tout mes valeurs parce qu'ils sont là en mode ma fille est homosexuelle et tout cela. Il y a de gros panneaux publicitaires. Donc au départ, tu te dis, mais c'est quoi ce monde-là? Et puis demain, ça devient habituel. Puis le lendemain, c'est ta fille qui va te dire, mais écoute, papa, moi, je veux manger le maïs. Et à ce moment-là, tu te rappelles de la pub que tu as regardée il y a 2 ans, tu t'es dit, bon, c'est le monde qui évolue, bon, ben, je l'accepte. Tu comprends ce que je veux te dire? Mais je pense que la première chose à faire, c'est déjà de prendre conscience, tu sais, de la différence entre la scolarisation et l'éducation. Parce que nos enfants passent beaucoup de temps à l'école.
à l'école et justement soumis à toutes ces idées. Certains sont vraiment perverses, certains sont vraiment négatifs. Parfois même, ça crée des problèmes à la maison, puisque tu as des enfants qui rentrent à la maison avec un discours qui n'est pas celui des parents, donc ça crée même des conflits. Moi, j'ai le souvenir d'un frère africain-américain qui me racontait comment il parlait donc, de cette question d'homosexualité à la maison avec sa fille, et il n'avait même pas commencé à parler que la fille lui a dit d'arrêter qu'il était homophobe. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas parler de ça, on ne peut même pas avoir une conversation là-dessus, tout de suite tu es homophobe. Donc il s'est rendu compte que sa fille avait été justement conditionnée à l'école par cela. Donc il y a une différence entre l'éducation et la scolarisation. Le problème, c'est que nous, on envoie nos enfants à l'école en pensant que l'école va apprendre à nos enfants ce qu'ils ont besoin de savoir. Or, ce n'est pas du tout cela. Et nous ne faisons pas l'éducation de nos enfants. C'est-à-dire que nous en remettons à l'école. Et quand ils sortent de l'école, ben, ils regardent la télé ou les réseaux sociaux qui ne font en général que renforcer encore ce qu'ils ont appris à l'école. Et nous perdons nos enfants. Et nous ne faisons pas en fait notre travail de parents. Parce qu'il nous a incombé à nous, les parents, d'éduquer nos enfants. Et l'éducation, c'est quoi? C'est la transmission de valeurs culturelles particulières. Et quand nous ne prenons pas le temps vraiment de faire ce travail-là, eh bien, encore une fois, nos enfants nous échappent et ta fille, 2 ans après, veut manger le maïs, comme tu dis. Tu vois? Mazama, elle a parlé comme au Bali. Le temps de faire l'éducation de ta fille, quand elle essaie de te faire taire en te disant que tu es homophobe, mais que tu insistes. Non, on va pas parler de cette histoire-là. On peut en parler poliment, on n'est pas obligé d'insulter ni rien du tout, de se fâcher, mais tu insistes pour qu'elle entende ce que tu as à dire. Quoi. Mais ça veut dire aussi passer du temps avec ses enfants. C'est ça la question, tu vois. Et souvent, on ne passe pas de temps avec nos enfants. En fait, on fait tout ce qu'on peut pour ne pas passer de temps avec eux. Déjà, on les dépose à l'école le matin, on les récupère Le soir, ouais. l'après-midi, soir. Tu vois, donc déjà, on ne sait pas du tout ce qu'on leur a fourré dans la tête pendant toute la journée. Et le soir, bon, nous-mêmes, on est fatigués, etc. Il y a les devoirs, tout ça à faire. Donc, ça demande vraiment une organisation consciente. Mais on ne peut pas ne pas le faire. Sinon, on aura échoué en tant que parents. Tu vois, nos enfants seront scolarisés, donc soumis à la propagande eurocentrique, mais ils ne seront pas éduqués. Donc, quand tu vas leur parler de fric, ils vont ricaner. Et leur peur la plus profonde sera que tu suggères qu'ils aillent en Afrique, tu vois, de tout. Ils se Effectivement. sentent bien. Il y a tout il y a une Camerounaise qui m'a dit ça, m'a dit, il y a tout. Ici, il y a tout, en me parlant de la France. Et en Afrique, il n'y a rien, quoi. Donc, Effectivement. si toi, tu n'as pas fait le travail justement d'éduquer tes enfants, de transmettre certaines valeurs et d'insister, de les pratiquer, et ça encore, ça passe par la spiritualité. Avoir un hôtel ancestral chez soi, devant lequel on emmène ses enfants, on insiste. Tu vois? Mais C'est ça. est-ce que le homeschooling serait une option du coup? C'est-à-dire que pour nous? Non, ce n'est pas une option idéale, hein, dans la mesure où c'est individuel, ça se fait chez soi seul. Si on arrive à le faire avec un autre groupe, justement, de parents qui partagent cette vision, c'est très bien. Ça permet d'échapper à ce système où on choisit soi-même ce que l'on va apprendre à ses enfants. Tu vois? Il nous faut absolument avoir nos institutions. Vraiment, il nous faut avoir nos institutions éducatives à tous les niveaux. Et comme je te disais, nous, on commence justement par les adultes et on espère avec les armes qu'on leur donne, eh bien, qu'ils vont aller créer ces institutions-là pour nos enfants. Tu vois, c'est très important. On ne peut pas enseigner aux enfants ce qu'on ne connaît pas soi-même. Si je ne connais rien de l'histoire de l'Afrique ou autre, qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants? Donc, il y a un travail de préparation que les adultes eux-mêmes doivent faire pour pouvoir maintenant être à la hauteur de leur responsabilité. Alors, je l'ai compris que AI,
met en place ce système-là. Mais parle-nous-en un peu plus. Mets-nous l'eau à la bouche. Motive-nous pour que nous autres, là, qu'on puisse abandonner tout ce qu'on a pris chez les locodermes, là, et qu'on vienne tous nous, on va tous s'inscrire. Donc, pour quelles raisons? Qu'est-ce qu'on va apprendre de plus? Essaie de nous mettre l'eau à la bouche, parce que c'est important que tu en parles. Moi, je ne pourrais pas absolument, le faire à ta place. Absolument. Hein. Voilà, c'est l'objet de ma présence aujourd'hui avec toi et je te remercie de me recevoir une deuxième fois à ce sujet. Nous avons donc ce programme de camitologie, n'est-ce pas, qui est un programme de master et de doctorat que nous avons appelé le Sèche-Nessou. Et c'était vraiment, encore une fois, après nous être rendus compte, après nous être plaints, après avoir déploré le fait que, bon, la formation que l'on reçoit justement dans leurs universités, que ce soit en Europe ou bien en Afrique, hein, il n'y a pas, c'est toujours le même modèle eurocentrique. Et donc, on s'est dit qu'il y a un problème, et bien nous, il faut qu'on essaie de trouver une solution à ce problème. Et donc, nous proposons donc depuis le mois de février une mythologie. Ah, ça a coupé. On t'entend plus. Je ne sais pas si tu parles. Problème de réseau, problème de connexion, les amis. Elle va certainement revenir. Vous savez quoi? Je vais couper l'appel et je vais relancer l'appel. Parce que ce n'est pas du bon. Je vais rappeler en espérant que je vais l'avoir tout de suite. Les amis, patience. Au Bali, à la technique, je gère. Alors, je vais t'appeler. Ça sonne. Et normalement... Ah, ouais, voilà. Tu m'en dis. Voilà, je t'entends. Ouais. Je te laisse le temps. Allô? De poser le téléphone comme il était là. D'accord. C'est bon? Ouais, je t'entends, ouais. D'accord. Oui, ouais, donc je disais, donc, on a posé le... depuis le mois de février. Donc, c'est 3 fois par semestre. On obtient son... Désolé, on t'entend flou. Tu as quelque chose que tu as changé, peut-être la position du téléphone, mais je t'entends vraiment très, très flou. Ah bon, ouais. Ça n'a rien changé. Hein. Ouais. Est-ce que tu aurais un kit main libre? Ouais. Est-ce que tu aurais un kit main libre? Ta fille n'aurait pas un kit main libre à te prêter? C'est quoi ça? Tu sais, c'est l'oreillette là, que tu branches sur le téléphone. Il y a un micro dessus, comme ça tu peux parler. Non, mais si tu me donnes 2 minutes... Ok, pas de souci. Essaie de voir si tu peux en trouver. Hein, les amis, qu'est-ce que vous en pensez? En attendant, je vais meubler un peu. Je vais meubler en parlant de la conférence qui a été faite avant-hier. Et non, c'est, j'ai plus la notion du temps en vérité. C'est hier. Donc, toutes les personnes vraiment qui sont venues à cette conférence, je tiens vraiment à vous remercier. Vraiment, vraiment, vraiment. Tous. Et puis, on a passé, je pense, entre nous, on a passé, je pense, une très, très agréable soirée. La conférence était très, très longue, mais vous savez, parce que mon Bali est très généreux. On a fait le taf pour vous. Attendez, est-ce qu'elle est là? Amamazama, tu es là? C'est bon? Ouais. Donc, les amis, voilà, je voulais juste vous dire merci. Les personnes qui ont... Du coup, il y avait quelques soucis parce que, du coup, on n'avait pas vu large. Et la conférence ne pouvait... on avait atteint les places limites. Donc, du coup, pour les personnes qui n'ont pas pu assister, on a dû faire la même conférence encore aujourd'hui à 13h. Donc là, vous me voyez, je suis extrêmement fatigué. Mais c'est vraiment avec un plaisir. Vraiment, c'est vraiment un plaisir. Et je tiens tous à vous remercier de le fait que vous avez été patient avec nous et que vous puissiez même comprendre. Vraiment, ça nous touche énormément. Donc ça, tout à l'heure, à la fin du live, on en reparlera. C'était juste essayer de gratter un peu le temps. Amamazama, est-ce que tu m'entends? Oui. Ah, est-ce que tu m'entends, toi? Voilà, là, je t'entends. Tu as trouvé le fameux casque, là? D'accord. Voilà. Bah voilà, c'est bon, là. Ok, parfait. Ouais, on peut y aller. Donc, on disait quoi? D'accord. Donc, on parlait de la formation. Donc, j'ai dit qu'il y avait 3 cours par semestre. Et puis, au bout de 4 semestres, eh bien, on peut avoir son diplôme de master. Mmh. Et puis, pour ceux qui veulent continuer, encore 4 semestres, eh bien, ils peuvent avoir leur doctorat en camitologie. Mais qu'est-ce qu'on apprend, maman? Qu'est-ce qu'on apprend en camitologie? Qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, alors,
D'accord, mais ce qu'on apprend, ben justement, on apprend des choses sur nous-mêmes et puis surtout, on apprend à se percevoir à travers notre propre regard. Donc, par exemple, tu vois, le premier semestre, on a un cours, le premier cours, c'est le cours sur la théorie et la méthodologie afrocentrique. Donc, justement, on parle de la problématique du mimétisme paradigmatique, de cette violence épistémique que l'eurocentrisme nous fait subir en nous imposant comme allant de soi des concepts et des théories qui, en fait, émanent de la vision du monde de l'Occident, une vision qui n'est pas vraiment compatible avec la nôtre. Notre cours que nous faisons le premier semestre, c'est un cours sur l'histoire et l'historiographie éthiopienne, puisque bien sûr chacun de Diop occupe une place extrêmement importante dans ce paradigme-là, de la Renaissance kanite. Et puis le troisième cours, c'est un cours une introduction au Medunet Shem. Et le deuxième semestre, donc nous continuons avec un cours sur les grands mouvements de la pensée intellectuelle africaine, un cours que je fais, la deuxième partie du cours sur le Medunet Shem, et un cours sur la préhistoire et l'histoire africaine, l'histoire impériale africaine. Donc, ce sont ces trois cours que nous sommes sur le point de commencer pour les étudiants du deuxième semestre, le 1er juillet, et nous commençons aussi le premier semestre pour ceux qui veulent se lancer. Donc, c'est une invitation à tous et à toutes de se lancer. On n'est pas obligé de prendre trois cours, parce que ça peut être un peu lourd, surtout si on travaille, si on a des responsabilités familiales, personnelles, etc., et professionnelles. Mais l'idée, c'est de se lancer, l'idée, c'est de répondre à l'appel, parce que nous nous plaignons beaucoup. Il y a aussi beaucoup d'amateurisme, beaucoup de gens. Tu sais, les réseaux sociaux, c'est à deux tranchants. D'un côté, c'est bien parce que ça fait passer beaucoup d'informations. Mais de l'autre, c'est aussi dangereux parce qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent savoir et qui ne savent pas, et donc il y a des choses qui se propagent, qui ne sont pas forcément exactes. Et donc nous essayons de mettre un peu d'ordre dans tout cela, si tu veux, et de présenter des enseignements structurés et au terme desquels les étudiants auront acquis de solides connaissances et se sentiront vraiment capables maintenant de prendre le relais. Et de transmettre, parce que c'est ça l'idée. Nous devons transmettre. Donc, si on peut former 20 frères et sœurs qui, eux, de leur côté, vont former 50 chacun, tu vois, ça va vraiment se multiplier rapidement. Et encore une fois, ce qui nous intéresse, ce sont les enfants. Mais il faut former les enseignants. Exactement, voilà. Tu vois, Voilà. c'est ça. Très très bonne initiative. Combien de Voilà. temps prend pour obtenir ce diplôme-là, combien de temps ça met? Comme je disais, si tu prends trois cours par semestre, après 4 semestres, tu as ton master. 4 semestres. Bon, il y a des. Voilà, après 4 semestres. Donc, par exemple, ceux qui vont commencer avec nous, continuer avec nous là, au mois de pour le 1er juillet, eh bien, ils vont finir leur formation dans un an. Parce qu'on fait 2 semestres par an. Février, juillet. Est-ce que vous avez arrivé à rendre ces masters-là acceptables ou ne fût-ce que pour certains pays africains? Lorsque moi j'ai ce master-là, je le présente, est-ce que ça a du poids dans les... Bon, alors en locodermie, on s'en fout, mais est-ce que vous avez pu négocier ça? On ne s'est pas encore penché sur cette question, mais la qualité de la formation qu'on dispense, tu vois, est vraiment impeccable. Ça, c'est le retour que l'on a des étudiants. D'ailleurs, pratiquement tous vont se réinscrire, tu vois, en juillet. Et ils sont extrêmement contents parce que nous ne bradons pas nos connaissances. Donc, c'est très, très important d'offrir quelque chose vraiment de haute qualité. Et nous n'avons aucun doute que ce dont nous armons nos étudiants, tu vois, leur permettra vraiment de briller dans le lot. Ça, vraiment, nous sommes très confiants là-dessus, tu vois. Donc, on n'est pas encore dans cette problématique de faire reconnaître par des gouvernements africains ou des États africains. Peut-être que ça viendra, mais pour le moment, pour nous, c'est vraiment donner une formation de haute qualité qui parlera, tu vois, d'elle-même. La réputation de notre programme se propagera et je dois te dire sincèrement que notre objectif, hein, à moyen et long terme, c'est d'avoir une université afrocentrique, Kamit, tu vois.
Nous allons étendre les programmes à un niveau licence, etc., et vraiment proposer aussi plusieurs branches. Par exemple, au mois de février prochain, nous aspirons à offrir un certificat de santé holistique africaine, où il y aura une composante spirituelle, une composante intellectuelle, et une composante physiologique, si tu veux. Mais est-ce que lorsque... Donc, justement, avec un cours sur les plantes médicinales africaines et le rôle des plantes dans la santé africaine. Excellent. Est-ce que moi, si je m'inscris, tout cela, bon, je fais mes cours, mais le problème, c'est que je suis un bras cassé. Donc, je me suis inscrit, hein, mais franchement, les notes, c'est pas du bon. Tu me l'accordes quand même le diplôme parce que tu m'aimes bien? Je veux dire, pas mon Bali, mais juste parce que je me suis inscrit, Non, non? non, il y a des mécanismes de rattrapage. Encore une fois, nous ne bradons pas. Notre formation, sinon nous allons directement à l'échec, tu vois. Donc non, non, mais nous ne sommes pas non plus dans, nous ne sommes pas là pour juger ou faire échouer. Ce n'est pas cela, parce que nous voulons que le plus de nos étudiants possibles réussissent, tu vois. Mais il y a un minimum que nous attendons de nos étudiants, et donc quand ils ont des difficultés, nous les accompagnons. S'ils ont besoin de plus de temps, on leur donne plus de temps, etc., etc. Donc on n'est pas dans la démarche de, tu vois, de donner des notes, de juger, de faire que tu te sens mal, que tu te sens vraiment inadéquat. Ça, c'est le système eurocentré, quand on te fout des zéros, de mauvaises notes, et puis, tu vois, on n'est pas dans cette démarche-là, puisque ce qu'on veut, au contraire, c'est préparer une armée, en fait, une armée de vrais intellectuels. Parce qu'on a vraiment un problème à ce niveau-là. Nous avons des diplômés, nous n'avons pas d'intellectuels. Et c'est aussi un gros problème pour notre peuple. Nous n'avons personne vraiment pour nous guider, tu vois. Parce que nos diplômés, eux, ils sont à la solde de l'Occident. Donc, ils nous emmènent dans la mauvaise direction, quoi. D'accord. Ben c'est très important. Mais quel niveau il faut avoir minimum? C'est-à-dire que moi, j'ai arrêté mes études il y a très longtemps. Hein? Bon, j'ai pas le bac, j'ai pas fait des diplômes des locoderme, tout cela. Mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse de pouvoir m'inscrire. Je me dis, ah, je me sous-estime. Je me dis, ah, écoute, ça sort, ça c'est un truc. Hein. Faut avoir un niveau bac, machin, niveau truc. Moi, j'ai pas fait des longues études. Quel dommage. Ouais. Je suis Non, perdu? on a pensé à ça. Oui, non, non, tu n'es pas perdu. Nous avons pensé à ça et nous allons mettre justement sur pied un système de préparation, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a certains étudiants qui galèrent. Tu vois, ils galèrent parce que ça faisait longtemps peut-être qu'ils n'avaient pas été dans ce mode intellectuel un peu quand même assez intense. Donc, pour eux, on a prévu un programme de préparation pour qu'ils puissent justement être à l'aise. Et nous examinons les demandes d'admission au cas par cas, tu vois. Donc, en principe, il faudrait avoir une licence, mais c'est encore une fois, c'est au cas par cas. Quelqu'un qui a un parcours extraordinaire, qui a déjà fait des choses remarquables en dehors du système eurocentrique européen, cette personne-là nous intéresse, tu vois. Donc, Donc non, on n'est pas braqué sur ces histoires-là. tu m'as dit qu'il faut avoir au moins une licence. C'est ce que nous demandons, mais comme je te dis encore une fois, nous étudions les demandes au cas par cas. C'est-à-dire que si tu as un dossier qui nous montre que tu es quelqu'un qui a un parcours, tu vois, qui démontre qu'il ou qu'elle a déjà compris beaucoup de choses, a déjà fait beaucoup de choses intéressantes. Par exemple, il faut avoir quelqu'un qui a fait un documentaire, tu comprends, sur, moi je sais pas, la révolution africaine en Haïti. C'est pas parce que la personne n'a pas de licence qu'on ne va pas l'admettre. Si tu as pu faire ça, ça signifie que intellectuellement, tu es armé, tu es capable, et surtout idéologiquement, politiquement, Alors, tu as une maturité qui nous intéresse. je vais prendre je vais donner un exemple, ok? Ne m'en veux pas. Moi, je suis au pays. Je suis au pays et moi, je fais des lianes. Tu vois, je fais des choses, des chaises en liane. Je n'ai aucun diplôme, je ne connais pas. Bon, mais je sais lire, je sais écrire, tu vois. Bon, mais franchement, l'école, ça n'a jamais été mon truc. Moi, c'est mon père qui m'a initié à faire des lianes. Mais depuis que je regarde les histoires de Mobali et depuis que j'ai lu les livres aussi de Amama Zama, le kémitisme m'intéresse. Et là, je viens d'entendre qu'il y a une université, tout cela. Je me dis, j'ai peut-être pas fait des bonnes longues études des locodermes, j'ai même pas le CP, j'ai rien du tout en vérité. Mais je me dis, c'est peut-être l'occasion pour moi d'avoir quelque chose au moins validé par des nègres. Donc, ça m'intéresse de m'inscrire. Amama Zama m'a dit que c'est le cas par cas. Mais est-ce que mon cas particulier à moi,
Est-ce que c'est du bon? On peut en discuter ou là aussi vraiment c'est chaud? Bon, ça risque d'être un peu chaud, hein, parce que je vais pas faire de la démagogie non plus, hein. Il faut quand même avoir une certaine aisance au niveau de l'écriture, tu vois, une certaine habitude, parce qu'il y a des devoirs à faire, il y a des essais, des dissertations qu'il faut rendre et tout, hein. Donc, je ne vais pas non plus faire comme si c'est forcément à la portée de tout le monde, tu vois. Mais comme je te dis, on a un système d'accompagnement. Par exemple, on va demander à partir du mois de février à ceux et celles qui veulent s'inscrire de s'inscrire à une préparation où ils auront donc un certain nombre de livres à lire, parce qu'on veut aussi savoir que quand on parle de si on parle de Fanon à nos étudiants, ben qu'ils ont déjà entendu parler de Fanon et qu'ils ont déjà lu Fanon. Si on parle de Diop, qu'ils savent déjà quand même qui est Diop, au moins avoir une idée, tu vois. Voilà, donc, mais ça, on va mettre au point donc une formation d'accompagnement ou de préparation, tu vois, pour ceux et celles qui n'ont pas forcément ce bagage-là. Et on va D'accord. leur apprendre à écrire, à comment on structure une dissertation, comment on structure un résumé, comment là, on va vraiment faire ce travail-là. D'accord. On n'offre pas cela encore, mais on s'est rendu compte que c'est nécessaire, et donc on est en train de travailler là-dessus. D'accord. Bah, tu vois, j'ai posé une question, mais c'était important. Tu vois, comme ça, maintenant, on le sait. Oui, Parce c'est que. très important. Oui. Ok. Bon, alors, maintenant, la question, c'est. Est-ce que c'est gratuit ton histoire? C'est du bénévolat? Parce que, tu sais, les locodermes, ils sont venus en Afrique. Ils nous ont appris tout cela. C'était gratuit. Hein. Tu sais, le français, on l'a appris avec la chicotte, peut-être. Mais on l'a appris gratuitement. Certainement. L'anglais, on l'a appris gratuitement. Tout cela, on a appris gratuitement. Donc là, tu es en train de nous dire, pour être des Africains, peut-être faut payer. C'est quand même paradoxal. Oui. Non, non, c'est pas paradoxal, hein. Il faut payer parce que bon, les enseignants, il faut les payer quand même. Il y a tout un cadre administratif, tu vois, quand même, il faut rémunérer. On n'est plus. Et si on valorise ces connaissances que nous partageons, hein, généreusement avec les uns et les autres, il faut que même en échange, ils soient prêts à faire un petit sacrifice. Donc, nous demandons, il y a deux prix, hein, pour ceux qui sont en Afrique, dans les Caraïbes, et puis il y a un prix pour ceux qui sont en Occident. Et pour ceux qui sont en Occident, le prix est de 300 euros par cours. Tu vois? Donc, pour un semestre, il faut compter 900 euros. Encore une fois, comme je dis, on n'est pas obligé de s'inscrire aux trois cours. Si on veut s'inscrire à un cours, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup d'étudiants le semestre dernier qui se sont inscrits à un seul cours. Ils sont le cours sur la théorie, la méthodologie afrocentrique que je faisais et que je vais refaire là au mois de juillet. Il y en a qui voulaient s'initier au Medunda Chair, ils ne se sont inscrits qu'à ce cours-là. Il y en a qui voulaient en apprendre plus sur Diop, ils se sont inscrits à ce cours-là seulement. Donc, il y a plusieurs formules possibles, tu vois, en fonction encore du temps, parce que ça compte. Et quand on prend cet engagement-là, il faut pouvoir le tenir. Il y aura des devoirs, il y aura des choses à faire pendant 12 semaines. Ça dure 12 semaines. On a une semaine de pause entre la sixième et la septième semaine. On s'arrête pour souffler un petit peu. Et puis, on reprend pour la deuxième moitié du semestre. Ce que je dois dire, c'est que notre programme est en ligne. Il est purement en ligne et il est asynchronique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de réunions en ligne. Quand on est étudiant, qu'on a payé, donc on reçoit un code d'accès à une salle de cours virtuelle, dans laquelle les devoirs, les cours, les conférences sont déposées chaque semaine. Et donc, les étudiants ont la responsabilité d'aller récupérer tous ces documents, de les étudier, de regarder les vidéos, de regarder les PowerPoints, ce qu'il y a à lire, et à rendre les devoirs aussi. Ils ont l'obligation la responsabilité de rendre les devoirs. Il y a un groupe WhatsApp pour les étudiants, donc ils ne sont pas seuls, on n'est pas vraiment isolés. Mais la raison pour laquelle nous avons opté pour cette formule-là, c'était justement pour permettre à des étudiants qui sont dans le monde entier, en fait, hein. Peut-être si on avait des étudiants en Haïti, on en avait en Guadeloupe, on en avait en Afrique, bien sûr, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, on en avait en Europe. Donc, ça permettait à tous ces étudiants-là de recevoir cette formation en ligne
asynchronique. Donc, c'est l'intérêt. Je vais poser une question. Bien sûr. Ok. Je suis au pays et j'ai constamment des problèmes de réseau. Mais on m'a dit que AI est un peu partout en Afrique. Ça tombe bien, je suis comment on appelle ça, au Cameroun. Mais j'ai cru entendre qu'il y a aussi AI là-bas. Donc, mais le problème, c'est le réseau. Est-ce que je peux rentrer en contact avec AI, m'inscrire et recevoir mes cours en papier plutôt que faire les trucs par Internet parce que c'est chaud? Non, 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 ça n'est pas possible, hein. Il faut vraiment avoir accès. Alors, ce qui est intéressant, comme je disais, comme c'est asynchronique, quand ton réseau ne marche pas, bon, tu n'as pas accès, mais quand le réseau marche, à ce moment-là, tu en profites pour télécharger les documents. Tu vois? Et tu le fais quand ça t'arrange, quand l'Internet marche correctement, à ce moment-là, tu peux télécharger les documents, Tu peux, par exemple, te dire que c'est toi, c'est le week-end parce que la semaine, tu es trop occupé, que c'est le week-end que tu vas travailler. Tu fais comme tu veux. Tu Ok. vois? Mais ce qui compte, c'est de ne pas justement te laisser submerger par les devoirs qui arrivent, les examens qu'il faut faire pour ne pas perdre pied, en fait. Mais encore une fois, il y a un groupe WhatsApp où on échange avec les étudiants, ils peuvent poser des questions, ils peuvent nous faire part de leurs difficultés et on gère au mieux. Et comment je fais moi? Il y a possibilité de payer en plusieurs fois? Il y a possibilité de payer en plusieurs fois, mais il faut que la formation soit payée quand même avant le début des cours, tu vois? En sachant aussi que bon, si pour une raison ou une autre, tu peux pas suivre le cours et qu'on n'est pas trop avancé dans le semestre, on va te rembourser, une grande partie des frais que tu auras engagés, tu vois? Mais ça, bon, on évite parce que nous, on engage des frais, on recrute des enseignants. Là, nous sommes, 5 enseignants. Qui allons assurer donc les 2 semestres. Et il y a aussi, comme je dis, un administrateur général, il y a une secrétaire. Donc, nous-mêmes, les enseignants, on n'est pas payés énormément, mais on estime quand même que tout travail mérite d'être rémunéré. Ce sont quand même de gros efforts que nous faisons. Moi, je dois te dire que personnellement, tu sais que j'ai déjà des obligations professionnelles à l'université où j'enseigne aux États-Unis. Et que c'est vrai que d'avoir pris cette responsabilité supplémentaire, ça m'a beaucoup, ça a beaucoup alourdi comment dire, ma charge de travail, tu vois. Mais je prends ça très au sérieux et j'estime que ça même, c'est plus important que ce que je fais aux États-Unis parce que au moins c'est une institution que nous sommes en train de construire. Et que nous entendons laisser à notre postérité, aux générations à venir, pour que nos enfants n'aient pas à subir ce que nous avons subi, pour que les parents aient des connaissances solides, pour qu'ils puissent vraiment faire l'éducation de leurs enfants, tu vois, parce que ça, c'est notre problème. Donc, on a un problème, on le reconnaît. Nos enfants sont livrés à nos ennemis. Ils sont livrés à nos ennemis. Nous-mêmes, nous avons été livrés à nos ennemis. Mais nous qui comprenons maintenant la situation, nous avons l'obligation de faire autrement. Donc, c'est ce que nous disons, c'est notre contribution à régler cette question une fois pour Ok, toutes. Et donc, c'est un appel que nous lançons à nos frères et à nos sœurs. Si vous êtes sincères, que ça, vous ne trouvez pas normal que nous soyons dans l'état dans lequel nous sommes, vraiment perdus, à raconter n'importe quoi sur nous-mêmes, à nous dénigrer en permanence. C'est une invitation qu'a fait l'International et l'ICAD, l'Institut Kemet Nagy Diop, qui est donc responsable de l'organisation de cet C'est un institut qui nouveau est flou, hein? affilié. C'est un nouveau flou. C'est un Ah nouveau. bon? Ouais, c'est un nouveau flou. Si tu peux arranger le micro. Ok. Ouais. Et là, c'est comment? Là, c'est un C'est peu parce que mieux. ça bougeait. Ouais. Ouais, c'est parce que je me suis levée, excuse-moi. Voilà. Tu peux Effectivement. reprendre. On n'a pas entendu le nom de. Oui. Non, je disais que c'est une invitation vraiment que nous nous lançons à nos sœurs et à nos frères, c'est-à-dire qu'on se plaint beaucoup, si tu veux, du fait que nous ne connaissons rien de nous-mêmes, nous sommes vraiment effarés par les commentaires que certains de nos frères, de nos sœurs sortent. Tu vois, par exemple, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je me souviens, je parlais avec une jeune sœur, bon, pas si jeune que ça, peut-être 35 ans, 3 enfants, et on parlait de la situation générale de l'Afrique, tu vois. Et pourquoi est-ce qu'en Afrique, alors qu'il y a tant de choses, pourquoi est-ce qu'on galère autant et tout? On est même obligé parfois de s'exiler. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, c'est parce que les Africains sont bêtes. Oui, voilà.
Parce que pour elle, tout le monde vient, les Blancs viennent, les Chinois viennent, les Russes arrivent, tout le monde est là, les Arabes sont là, installés comme chez eux, ils partent pas, et puis les Africains galèrent. Donc elle, elle en a conclu que c'est parce que les Africains sont bêtes. Mais c'est sûr que si, tu comprends, si elle avait reçu d'autres informations, si elle avait même une formation vraiment géopolitique, elle aurait compris les choses, tu vois. Mais c'est vrai qu'elle a ce complexe d'infériorité. Les enseignants qu'elle a eus ont dû eux-mêmes suggérer que les Africains sont bêtes et que nous sommes destinés à être dominés. En gros, c'est ça. Donc, c'est même pas la peine. Ils regardent des gens comme moi comme des gens farfelus qui perdent leur temps. Et au lieu d'essayer d'être bien dans le système, puisque ce système, on ne peut pas y échapper. Or, nous disons que ce système, nous devons y échapper. Nous devons y échapper avant qu'il nous perde avec lui. Et comment Donc les voilà. gens peuvent s'inscrire? Ils vont sur ton WhatsApp? Où est-ce qu'on s'inscrit? Comment on fait? Voilà, donc le système que nous avons mis au point, c'est que celui ou celle qui est intéressée envoie un email à l'Institut Kemet Mahat, donc c'est Kemet Mahat Abidjan, Kemet minuscule, Mahat Abidjan. Abidjan, voilà, parce que le secrétariat est à Abidjan, @gmail.com, et donc ils font une demande de renseignement. Et à ce moment-là, ils reçoivent un dossier. S'ils cherchent à s'inscrire, et on leur explique. Donc, ils ont là tous les détails sur le programme, les cours, les conditions, etc., etc. Et le formulaire d'inscription, les conditions de paiement, et puis voilà. Et puis, ils s'inscrivent et puis commence cette magnifique aventure. C'est quand le délai pour les dernières inscriptions? Et bien, écoute, nous, on va accepter des inscriptions en fait jusqu'au 28 juin. Hein, c'est vraiment limite, limite. Ben, c'est bientôt On là, en a le déjà 28. reçu. Oui, c'est bientôt. Non, mais on essaie d'être flexible. Tu sais, on connaît bien les conditions dans lesquelles nous sommes. Hein. C'est pas facile. Où que nous soyons, ce n'est pas facile. Donc, on est très flexible à ce niveau-là. Mais passer le 1er juillet, c'est possible. Ouais, donc, D'accord. Et là, la j'ai mes prochaine petits session, ça sera quand? enseignants en ligne. Ceux qui C'est vont le louper 1er là. juillet. Et puis, voilà, ceux qui vont louper, ben, ce sera le 1er février. 1er février. Ouais. Ok, je suis né un 1er février. Un jour de chance. Ah bon. Ouais. Ok, Ouais. excellent. Bon, alors les amis, vous l'avez entendu. Donc toutes les personnes qui souhaitent s'inscrire, délai, en tout cas le 28 de ce mois, c'est ça, hein? Et ceux qui vont Ouais, au louper plus là, tard, hein. plus tard. Donc ceux qui vont louper, ça sera le 1er février. 1er février, vous pouvez vous inscrire. Donc les 4 semestres, si j'ai bien compris, c'est 300 euros, c'est ça? 300 euros par cours. Donc, un Par semestre, cours. c'est 900 euros. Voilà. Voilà, c'est 900 euros. Chaque cours, c'est 300 euros. Voilà, pour pouvoir payer le professeur, pouvoir payer la plateforme, la direction, l'administration. Et puis, bon, avoir un petit peu d'argent pour justement proposer des activités, des événements. Par exemple, certains de nos étudiants ont présenté leurs travaux au mois de mai à la journée de l'Afrocentricité. Donc, un de nos objectifs, c'est aussi d'aider nos étudiants à publier, tu vois. Donc, on va créer une revue et ça, c'est l'Institut Kemet Mahat qui va financer tout cela. Donc, il nous faut avoir de l'argent pour faire des choses de qualité, proposer des conférences, etc. Voilà. Excellent. Donc, de toute façon, moi, ce que je ferai, c'est qu'à la fin du live, elle va me donner tout cela. Je mettrai ça dans la description de la vidéo. D'accord? Et tout ce que vous aurez à faire, c'est cliquer comme ça vous emmène directement au lien. D'accord? Donc, n'oublie pas, parce que même là, tu peux me l'envoyer, tu me l'envoies par texto, et comme ça, dès que je finis, que j'oublie pas, je le posterai directement. D'accord. Hein? C'est important. OK. S'il y a même un numéro de téléphone, les gens ils peuvent contacter. Tu me donnes en gros toutes les informations que les gens ils ont besoin. Tu me les donnerais, je les posterai. D'accord, D'accord? d'accord. Bon, ça c'est fait. Alors, j'ai cru comprendre que là, récemment, tu étais en Afrique. Ben, c'est génial. Oui, Mais qu'est-ce que tu es ouais, parti faire? je suis Qu'est-ce encore qui. Oui, dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Bon, il s'est passé une chose très importante. La raison pour laquelle j'étais allée, c'est justement pour poser la première pierre du temple, le Ah, premier enfin. temple ancestral, oui, enfin, pour la renaissance Kamit. Donc, nous avons posé la première pierre et nous espérons
Nous avons l'ambition.
dormir sur place. Et il y en a comme cela. Donc, il y avait déjà ces deux structures qu'on avait construites en attendant. Maintenant qu'on a le titre de propriété, maintenant, on va y aller. On attend aussi, on a fait la demande de permis de construire. On veut tout faire dans les règles pour ne pas avoir de surprises désagréables, tu vois. Je pense que là, peut-être qu'on nous regarde un peu de loin en se disant, bon, ce sont des farfelus ou bien ils n'y arriveront jamais parce que de toute façon, les Africains, ça ne les intéresse pas. Exact. Mais nous, on est parfaitement déterminés à aller jusqu'au bout et on ira jusqu'au bout. Mais on n'est pas bête. On comprend bien le système dans lequel on est. Donc là, on attend notre permis de construire, tu vois. Et pour poser la première pierre, on n'a pas besoin d'avoir le permis de construire. Donc on y est allé et on attend notre permis de construire. On devrait l'avoir bientôt. Nous avons déjà fait l'étude des sols. Donc je vais faire l'étude des sols par une entreprise spécialisée là-dedans parce que nous ne sommes pas loin de la mer. Donc, il y a beaucoup de sable et puis il y a beaucoup d'eau sous le sable. Donc, nous voulons être sûrs que notre plan béton sera parfaitement adapté à la réalité du sol pour que notre temple soit vraiment solidement implanté. Mais Donc, comment ça se il y a fait des que. choses qui se sont faites. Comment ça se fait qu'on a autant de mal à créer un temple alors que les églises et les mosquées en Afrique, entre le moment où. Moi, je me rappelle de cette vidéo-là. Cette vidéo. D'abord, je ne sais pas qui a fait cette vidéo, mais vraiment, c'était une très bonne qualité. C'est la première fois de ma vie que je vois une vidéo de Kemet, là. Mais vraiment, on se croirait à Hollywood. Vous avez mis tout le budget dans la vidéo. Vraiment, félicitations. Ouais, Et... on a mis le budget, mais c'est un frère ivoirien et un Ouais. frère de la Guadeloupe qui avait fait ça, tu vois. Ah, excellent travail. Et je sais que moi, cette vidéo, elle m'a tellement truc que j'avais fait des dons, parce qu'à l'époque, il fallait faire des dons. Moi, j'avais mis des dons dedans, parce que j'ai dit, voilà, une bonne initiative, la vidéo, tout cela était vraiment de top, mais entre-temps, on a attendu, rien du tout. Donc moi, ce que je veux savoir, c'est quoi les difficultés? Là, tu as annoncé plus ou moins, mais pour les autres qui vont peut-être suivre, qui vont suivre ton initiative, qui se disent, ah, ok, elle y arrive là, elle a mis la première brique, ben, peut-être que nous aussi, on doit y aller. C'est quoi les difficultés lorsqu'on est Kamit et qu'on veut créer un Oui, tu temple? sais, tu parlais de ça, de ceux-là qui ont des préoccupations, qui ne sont pas vraiment Kamit, et puis quand tu les attends, eh bien, ils ne sont pas là, tu vois. Et ça a été vraiment notre problématique, et ça l'est toujours. Quand tu demandes des sous, eh bien, il n'y a plus personne. Bon, je dois dire honnêtement que nous avons reçu des dons. Certains vraiment généreux, il y en a qui ont voulu donner même chaque mois un peu, tu vois. Donc, je ne vais pas généraliser. Mais c'est vrai que c'est très, très décevant. C'est vraiment décevant de penser qu'on a un mouvement Kamit, en principe, et que nous sommes restés aussi indifférents. Tu sais, mais quand il s'agit d'aller au McDo, ben quand il s'agit d'acheter le dernier iPhone ou autre, là, tout d'un coup, on a l'argent. Tu vois, donc c'est vraiment un problème de conscience. C'est vraiment un problème de conscience. Nous ne sommes pas pauvres du tout. Nous Mais tu ne penses sommes pas pas pauvres. que Nous avons tu ne penses de pas l'argent que pour les mèches, pour les faux ongles, tu vois, pour aller au restaurant, s'empoisonner. Mais là, on te dit, est-ce que tu peux donner un peu pour le temple, pour tes ancêtres et rien? Rien. Mais tu ne penses pas que la faute, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire, quand je dis nous-mêmes, c'est nous autres là, les Kémites. Peut-être qu'on ne rend pas ce kémitisme attractif. Moi, je te dis honnêtement, hein, quand j'ai vu cette vidéo-là, tu vois, c'est ce type d'initiative peut-être qui nous manque au sein du kémitisme. Parce que c'est ça qui fait que les gens, ils sont mobilisés. Oh, c'est carré leur histoire, c'est propre. Tu vois, ça donne envie. Tu vois, peut-être que c'est ça aussi que nous ne faisons pas assez. Et du coup, ben, les gens, ils ne nous prennent pas au sérieux. Parce que je peux te dire qu'une publicité de, comment on appelle ça? De Apple, de machin truc, ils mettent les moyens, ils mettent les moyens et ça donne envie d'acheter. Tout ce que tu viens de dire, les McDonald's, les machins, ça donne envie. Ils te montrent une photo, ça donne envie. Absolument. Donc peut-être que c'est nous aussi, on Oui, mais. communique mal et qu'on n'arrive pas à mobiliser assez de personnes. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Non, c'est possible, mais il faut bien aussi comprendre qu'on n'a pas de mécène, il n'y a pas de philanthrope vraiment. Tu comprends? Ceux qui donnent à mesure de leurs moyens, mais ils sont isolés. Et c'est aussi ça notre problème, tu vois? Et de toute façon, nous, on a décidé à AI, maintenant, on va vraiment se donner les moyens. Je ne vais pas en parler plus, mais nous sommes sur le point de lancer une plateforme d'investissement et d'épargne Kamit. Et
qui nous permettra de justement de ne plus avoir de problèmes financiers, de faire tous les temples que l'on a envie de faire, parce qu'on s'est bien rendu compte que ce n'est pas notre communauté sur laquelle Dis-le. on peut compter, malheureusement. Dis-le, dis-le, dis-le. Tu vois, on parle, on se gargarise de Diop et des anciens Égyptiens et compagnie. On parle de Thomas Sankara, on parle de Patrice Lumumba et autres, mais quand il s'agit de mettre la main à la poche, sincèrement, tous ceux qui t'écoutent, s'ils donnaient 20 euros, tu crois que ça changerait grand-chose à leur vie? Et pourtant, tu vois, tu multiplies 20 euros par 5 000, ben, ça aide. Ouais, c'est vrai. Mais on n'a pas, non, voilà. Puis il y a cette idée, on ne se fait pas confiance. Comme c'est des Noirs comme nous-mêmes, on ne se fait pas confiance. Mais est-ce que tu Si je te penses dis l'argent que... comme moi, personnellement, j'ai déjà investi dans ce temple, etc. Je ne veux même pas en parler. J'estime que je n'ai pas à en parler. Ça fait partie de ma mission. Mais tu est-ce que Tu j'ai envie comprends? d'être un peu provocant, tu m'excuseras. Mais il faut quand même que je pose ma question. Et je t'aime bien. D'accord? Mais tu ne penses pas que toi-même, tu vas former des gens qui vont se comporter de la même façon, c'est-à-dire que des gens qui en savent, qui savent plein de choses, qui vont être des OTP. Ça veut dire que moi, j'ai lu chez Conta Diop, j'ai le fameux diplôme d'Amama Zama, patati patata, les Égyptiens étaient noirs, la glande pinéale, la mélanine, blablabla. Est-ce que tu vas nous apporter ce même type de comment on dit, d'intellectuel ou de ce même type de... Comment on y appelle ça? Tu vois, tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ou bien tu Oui, vas faire en sorte je que ça, comprends. que voilà, est-ce que tu peux répondre par rapport à ça? Oui, non, mais absolument, absolument. Tu sais, déjà les personnes qui s'inscrivent à nos cours déjà sont déjà très engagées, tu vois. Et ce qu'on veut leur donner, c'est leur donner les moyens intellectuels vraiment de leur engagement. Ils ont déjà compris beaucoup de choses. Donc, nous avons bien l'intention, effectivement, de renforcer ce sens de mission. C'est ça, tu vois, que nous avons une obligation. On a l'obligation de laisser notre communauté en meilleur état qu'on l'a trouvée. Dis-le. Et donc, ça, c'est notre obligation. Sinon, on n'aura jamais l'éternité, on ne deviendra jamais des ancêtres. Tu vois, moi, je vis avec c'est ma motivation dernière, tu vois. Que l'on sache que je suis passée sur cette terre et que j'ai fait ce que j'ai pu pour améliorer la condition de mon peuple. Tu vois? Je parlais avec une amie qui est là et je lui disais, je ne sais pas ce que c'est qu'un week-end, je n'ai pas le concept du week-end, tu vois? Dis-le. Le combat, c'est en permanence, tu vois? Alors, on est dimanche, on se parle. Hier, je faisais un séminaire sur justement, comment monter un hôtel pour ses ancêtres. Donc, le combat, il est tout le temps. Et si nous avions comment dire, ce sentiment-là, qu'on est dans un combat et qu'on doit le mener, qu'on doit le gagner, qu'on doit apporter sa contribution. Parce que c'est ensemble qu'on va le gagner. C'est pas chacun dans son petit coin et à se trouver des excuses, hein, tu vois? On se cherche, on se trouve beaucoup d'excuses. Mais nous, encore une fois, je répète, nous ne sommes pas pauvres. C'est simplement que notre état de conscience est tel que nous renforçons les autres au lieu de nous renforcer nous-mêmes. Exact. Et c'est vraiment ça notre problème. Et les autres, ils exploitent ça. Ils créent notre sentiment d'infériorité. On regarde l'argent que nos sœurs dépensent avec pour leurs cheveux, par exemple. Voilà. Aux États-Unis, Énorme. simplement pour les cheveux, c'est 4 milliards de dollars. Et tu parles des États-Unis. Tu te Regarde rends juste compte? l'Afrique. Regarde l'Afrique elle-même. Déjà qu'elle n'a rien à Ah ouais. manger, mais tu vois que tout ce que nos femmes Tu te consomment rends là compte? et nos frères consomment. Mais c'est dingue, hein? Mais c'est dingue. C'est dingue. Et c'est laid. C'est vilain. Et quand tu ajoutes les faux ongles et tout ça, et tout, tu vois, 4 milliards de dollars pour les faux cheveux 4 milliards. par an, hein? Par an, hein? Tu vois un peu? Donc, 4 on n'est pas milliards, oui, pauvre. par an. Mais oui, par an. Et qui c'est qui fabrique ces faux cheveux-là? C'est pas nous, hein? Bien sûr. Et qui les vendent? C'est toujours pas nous. Voilà. Parce que je peux te dire quand tu Et vas qui dans c'est les... qui a. Oui, Oui? vas-y, 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 vas-y. Ouais. Vas-y, vas-y. Mais et qui c'est qui entretient le désir de mettre ses faux cheveux en nous? Donc, notre complexe d'infériorité maintenant est un marché, en fait. Tu comprends? Donc, voilà quoi. Donc, on entretient notre sentiment d'inadéquation. On est bête, on est laide. Et puis, il nous apporte des solutions. Mais quand il s'agit de mettre la main à la poche pour. On avait proposé quelque chose dans la vidéo dont tu parles.
On avait appelé ça du fric pour une brique. C'est-à-dire que tu achètes des briques du temple. Et on a dit, c'est très intéressant, aussi important, que le nom de tous ceux qui auront contribué sera inscrit à l'intérieur du temple. Comme ça, quand ceux qui viendront visiter le temple Devant savoir qui verront ont quels sont contribué. ceux qui ont répondu à l'appel, qui ont répondu à l'appel des ancêtres. Ouh, ça c'est bien ça. Ça c'est Tu pas comprends? mal. Maintenant, les ancêtres t'appellent et tu réponds pas. Maintenant, tu te tais, tu ne peux plus te plaindre. Ouh, Ne c'est parle plus de bien. Jésus ou d'Allah. C'est bien, Reste c'est bien. dedans parce que c'est là que tu es. Tu comprends? Si, si. Et c'est important donc avoir ce sens, tu vois, que on est là aujourd'hui, mais demain, on ne sera plus là. Mais ceux qui viennent après, tu vois, et qui sauront qu'on a essayé de faire quelque chose quand même, de leur laisser quelque chose, qu'ils soient témoins de nos efforts, de notre sincérité. Excellent, excellent, vraiment. Donc on va mettre les noms, on va graver les noms à l'intérieur du temple. Ça veut dire que les gens qui entendent ça, qui se disent, oh, hey, j'ai pas envie que mon nom ne figure pas dans les briques là, parce que ça serait quand même Mais oui. la honte. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mais Qu'est-ce oui, qu'on fait? parce que Parce que... quand tes enfants vont aller, ils vont pas voir ton nom. Ah oui. Ils vont te demander pourquoi il n'y a pas ton nom. Pourquoi papa y a pas Ça va ton faire? nom? Papa était un cas moustique en Oui. vérité. Ouais, il était Camille qui nous parlait de Marcus Garvey, tout ça, mais il n'y a pas son nom. Pourquoi il n'y a pas son nom? Dis-moi comment on Pourquoi il fait. n'y a pas le nom de grand-mère? Comment on Ouais. fait? Comment on fait pour s'inscrire? Parce que là, du coup, c'est la honte. Hein. Bon, moi, je sais que j'avais payé, mais je Mais oui, pense c'est qu'à la l'époque, honte. ils ont oublié. Donc, moi, je vais peut-être repayer. Parce que je veux que mon nom Non, soit on n'a pas. là-bas. Non, on n'a pas oublié, on a la liste de tout le monde, ne t'inquiète pas, on n'a pas oublié parce qu'on a un système, tu vois. Dis-moi, On a un comment on fait? Comment on système, fait? ton nom sera. Mais comment on fait concrètement? Oui. Écoute, on a créé donc ce compte-là sur GoFundMe, donc Temple de la Renaissance Kamit, et on cherche, et puis on peut faire un don comme ça, c'est en général la plateforme qu'on utilise. Et puis pour ceux qui sont en Afrique même, ils peuvent utiliser d'autres formules, par Orange Money, des choses comme ça. À ce moment-là, on donne un numéro de téléphone. S'il y en a qui sont intéressés, qui ne peuvent faire ni l'un ni l'autre, ils peuvent toujours me contacter sur Messenger en passant par Facebook. Je réponds le plus possible. Et puis, comme ça, on trouve une solution. Bon, les Mais c'est amis, vrai que c'est une honte. bien C'est sûr que vraiment c'est la une honte. honte. Hein. C'est Bon, une les honte. amis, vous Parce avez que, bien tu sais, entendu. moi, Vas-y, vas-y, aux vas-y. États-Unis, moi, je vois des mosquées qui s'érigent en 3 mois. 3 mois, Ben une oui. super mosquée. Et je passe là, tu vois, quand je vais au travail, je me dis, mais vraiment. Et nous, là, 5 ans, ça fait 5 ans, mon balai. En 5 ans, on a récolté 30 000 euros. Tu te rends compte? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Une brique, mais c'est ce Le que t'as fait. terrain, simplement, il nous a coûté 37 000 dollars. Donc là, Haï a payé parce qu'on avait fait des activités, on a payé le terrain nous-mêmes. Mais pour construire le temps. En tout cas, il est Voilà. beau en dessin. Moi, je l'ai vu. Hein. Il, Quand mais j'ai vu ça, j'ai dit waouh, ouais. c'est osé hein, leur Tu as vu histoire. ça, hein? Ah oui, Ouais. l'architecte Ouais. qui Non, a on réfléchi à veut. ça, il est bon. Hein. Ouais, on a travaillé avec lui, hein, parce que ces logiciels, c'était des logiciels occidentaux, donc il fallait l'aider, quoi. Mais c'est vrai qu'il a fait, il a fait un très bon travail et que bon, on aura notre temps, hein, et on se donne 2 ans maximum. 2 ans là, tu es sûr? Donc on se reparle d'ici 2 ans là, c'est bon? Il y aura plus qu'une brique? Oui. Ok. Ouais, ben, on attend les dons, Ok. hein. Non mais ça, mais il faut en parler très souvent. Il faut vraiment, parce que tu vois c'est ça Ouais. aussi, il faut en parler très 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 souvent. C'est comme ça qu'après les gens, tu vois, si on lâche Ouais, l'affaire, bah c'est pas du tout du bon. Tu sais les gens dont tu ouais. parles En là, tout les cas, mosquées. Ils vont tout le temps à la ouais. mosquée, ils sont martelés. Ceux qui Mais ont les c'est églises, c'est dingue. pareil. Tous les dimanches, ils y vont, ben ils sont martelés. Mais c'est ça. Mais écoute, j'étais au Kinshasa, j'étais à Kinshasa au mois de décembre dernier, et on me parlait d'un pasteur d'une église vraiment qui payait même pas 2 000. Le pasteur a annoncé à ses fidèles qu'il avait besoin de 50 000 dollars. Mais tu sais qu'en 1 heure, il avait réussi à recevoir les 50 000 dollars. Mais Jésus sauve. Toi, tu ne sauves pas. Mama Zama ne sauve pas. Voilà. C'est peut-être ça la différence. Voilà. 50 000 dollars en 1 heure. Et nous, ça fait 5 ans, 30 000. Vraiment, c'est... Et ça donne quand même, comment dire, on devient très sobre, très,
être réaliste, tu vois, par rapport à ça, l'état dans lequel nous sommes en tant que peuple. Mais il n'y a pas, toi, des moments où tu as envie de lâcher? C'est-à-dire que quand tu fais, tu vois le temps que tu as investi dans le kémitisme là, tes engagements, le temps que tu aurais dû passer avec ta famille, tout cela, voyager à travers le monde, mais tu vois bien que ça ne suit pas, malgré tes efforts, malgré. Il n'y a pas un moment où tu te dis, bon, écoute, hein, vas-y, j'abandonne, je m'occupe de ma femme, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de ma famille. Et puis, bon, Non. il n'y a pas un moment où ça t'a envie de lâcher? Aucun. Il n'y a pas eu Non, un moment où jamais. tu as lâché. Jamais. Mais pourquoi? Parce que c'est ma mission de vie. Waouh. Et si je ne fais pas ça, je fais quoi? Je regarde la télé, je regarde Netflix, je Ah oui? regarde les films d'Hollywood. Oui? Non, jamais. Jamais, vraiment jamais. Jamais, jamais. Et puis tu dis que ça ne prend pas. Oui, ça prend. Parce que si tu vas en Côte d'Ivoire maintenant, par exemple, j'aurais aimé être à N'Djamena. Aujourd'hui dimanche, c'est le jour du culte. Si tu as une communauté, et c'est magnifique. C'est magnifique. Tu vois, de ces Ivoiriens, pas seulement des Ivoiriens, il y a des Togolais, des Béninois, il y a des Nigérians, tout le monde qui vient au temple. Ils attendent le temple. Les enfants dessinent le temple dans le sable. Ils attendent ça. Tu vois? Et autour du temple, il y a une école, enfin une institution, ils appellent ça l'école des ancêtres. Donc le dimanche, tu verras les enfants, ils sont maintenant une douzaine et ils apprennent les hiéroglyphes, ils apprennent leur histoire, ils font des raps. Le dernier, le petit, j'ai entendu un petit garçon de 8 ans qui faisait un rap et il disait qu'il ne veut ni Jésus ni Allah, lui il veut ses ancêtres. Ah ouais? Et c'est là que je sais que mon combat n'est pas en vain. Tu comprends? C'est Excellent. des moments comme ça qui font que je n'ai pas le choix, mais que de continuer. Je peux te poser une Imagine le question? petit de 8 ans qui dit ça, oui? C'est quoi les gens qui toi qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent? C'est par rapport à ce que tu fais, tu dis, voilà, moi c'est ça, moi mon modèle quoi, c'est ça. Je crois que mon premier modèle, il y en a plusieurs, mais le premier, vraiment, c'est Marcus Garvey. Ah ouais. Hein? Vraiment, vraiment, vraiment. Cet homme qui a tout donné jusqu'à la fin, qui n'a jamais lâché, qui a toujours cru. Pour moi, c'est un modèle exemplaire d'engagement. Vraiment. Vraiment. Et son discours, qui était bien sûr un discours nationaliste noir, pour vraiment donner de la fierté à son peuple. Et puis pas seulement de la fierté, mais il a fait des actions concrètes. Et pour moi, c'est le modèle, tu vois. C'est qu'on ne fait pas que parler. C'est gentil de parler, tu sais. Bon, on prend le micro, on parle, mais après, qu'est-ce qui a changé? Rien. Et quand on a créé AI, c'était vraiment à France International. L'idée, c'était vraiment de poser des actes concrets. Et c'est ce que Marcus Garvey a fait. Et donc, c'est mon modèle, tu vois, dans ce sens-là. Marcus Garvey avait créé des écoles, des universités, des boutiques, des usines, tu vois. Et donc je suis dans cette même dynamique-là, quoi. Pas simplement parler. Parce que je me suis rendu compte après un moment, tu vois, je me suis dit, mais je fais des conférences, mais ça change quoi exactement? Je ne dis pas que ça change rien, tu vois, mais ça va pas assez vite, quoi. L'immensité des problèmes qu'on a partout où nous sommes. Il faut vraiment autre chose, là, vraiment, sérieusement. Il faut rendre l'afrocentricité opératoire, fonctionnelle. Donc, dans le concret, l'afrocentricité, ça donne quoi? Quand on sort des livres et de l'écriture, eh ben, ça ressemble au programme de thanatologie qu'on propose. Ça ressemble au temple de la renaissance kamite qu'on est en train de construire. Tu vois? Donc, un autre modèle pour moi, c'est Winnie. Winnie, j'ose pas l'appeler Mandela, mais enfin bon, Et pourquoi pas? C'était c'est son mari. extrêmement courageuse. Oui, mais enfin bref, je crois que c'est Mazidi qui est là, tu vois. C'est aussi une femme que j'admire énormément. Et puis entre avant Winnie, bon, toutes sortes de femmes, comme Néanda du Zimbabwe, Taitu Betul, l'impératrice d'Éthiopie, quand les Italiens sont venus attaquer l'Éthiopie, c'était vraiment elle qui était l'architecte, hein, parce que son mari Ménélique, bon, était assez doux et tendre, il comprenait pas vraiment les Italiens, il pensait que ça pouvait être des amis.
Et elle est extrêmement claire et très radicale, entre guillemets, tu vois, c'est vraiment. Elle s'est battue d'ailleurs sur les champs de bataille, hein. Elle avait ses soldats et tout, tu vois. Donc, il y a des femmes comme ça qui m'inspirent beaucoup. Nani, toutes ces femmes courageuses qui se sont levées, qui ont dit Nani non. qui? Nani de la Jamaïque, c'était le leader d'une grosse communauté de Marrons, donc d'Africains qui avaient fui les plantations, tu vois. Et c'était elle, elle avait de grandes capacités spirituelles, elle était capable de se rendre invisible. Et les Anglais n'ont jamais réussi à l'attraper. Et en fait, ils ont dû signer un traité de paix où ils laissaient les Marrons tranquilles. D'ailleurs, les Marrons qui existent toujours, tu vois, à la Jamaïque. Là, c'était une femme. Donc, c'est pour ça qu'au début, tu vois, je disais qu'il ne faut jamais minimiser le rôle des femmes dans le combat. On a toujours été là. C'est un monde qui est dominé par les hommes, et je pense très sincèrement que il est temps que les femmes montent à nouveau au créneau. Parce que j'ai dit toujours que ça fait 60 ans qu'on vous laisse faire, et vraiment, les résultats ne sont pas Les concluants. résultats, c'est pas du bon. Hein? Les résultats ne sont pas du bon. Non, pas du tout. Donc, il faut qu'on change la formule. Il faut que nous, les femmes, il faut qu'on revienne, et qu'avec vous, pas contre vous, hein. Mon discours n'est pas du Ensemble. tout un discours féministe. Mais qu'ensemble, que vous arrêtiez de faire les machos, que vous laissiez de côté le patriarcat européen, et que vous vous souveniez que nous avons aussi une contribution à apporter, nous avons des choses à dire et à faire ensemble. Et Je suis ça, tout c'est à fait très, très d'accord. important. Je suis tout à Ouais. fait Il d'accord, faut tu sais. qu'on essaie. Et encore une fois, tu vois, on retourne à nos traditions, à nos valeurs. La femme africaine n'a jamais été silencieuse et invisible. Ça, c'est en Occident. Tu vois. Mais c'est pas chez nous. Eh ben moi, je suis tout à fait Donc, d'accord avec ce que tu dis, hein. Franchement, ouais. et moi, personnellement, je regrette qu'il n'y ait pas assez de femmes. Je l'ai toujours dit, hein, dans mes chaînes, c'est enregistré, je l'ai toujours dit, qu'il n'y a pas assez de femmes impliquées. C'est-à-dire, quand je dis impliquées, c'est devant, hein, tu sais. Si je dis qu'on me cite ne fût-ce que cinq femmes côté francophone en dehors de Hamamazama, tu vas voir, les gens, ils vont bugger. Hein. Les gens, ils vont dire Hamamazama et après, plus rien. Et ça, c'est pas normal, tu vois, personnellement, puisque Non, c'est pas normal. c'est pas du tout normal. Parce que moi, si j'ai une fille, si elle veut rentrer dans ce monde de kémétisme-là, ça va être quoi ses repères? À part Hamamazama. C'est un peu chaud. Elle va se dire, c'est un monde d'hommes. Je ne pourrai jamais être une conférencière. Je ne pourrai jamais parler parce que y a que des bonhommes. Tu vois. Donc moi, dans mon organisation, dans mon tout, eh ben, nous mettons les femmes devant. Hein. Et là, j'ai fait une conférence. Y a eu trois sœurs et deux frères. Donc moi et un autre frère, on est derrière. On laisse passer parce que nous avons besoin des femmes qui parlent de ces sujets-là, techniques, complexes. En général, ce sont que les hommes Absolument. qui en parlent pour influencer les plus jeunes à faire pareil. Hein. Hein, qu'est-ce que t'en penses, toi? Voilà. Absolument, mais absolument, absolument. Tu vois, d'ailleurs, dans l'organisation de Marcus Garvey, l'UNIA, il y avait beaucoup de femmes qui étaient très haut placées, tu vois. Donc, ça aussi, c'est très important. Je suis à la tête de AI, Afro-Centre International. Je pense que c'est la seule organisation panafricaine qui ait une femme à sa tête. Donc, moi, c'est le problème, c'est aussi nos hommes, hein. Il faut qu'ils se regardent honnêtement, hein, tu vois. Ça aussi, Sincèrement, c'est ce un n'est travail pas un qu'il faut monde qui est faire, quoi. facile. Non, c'est pas. Il faut qu'ils mettent leur ego un peu à côté. Et tu comprends qu'ils parlent moins, qu'ils ne pensent pas qu'ils sont les seuls à avoir quelque chose à dire. Tu comprends? Donc, c'est pas évident. Hein. Moi, j'ai eu des expériences. Je me souviens d'un frère togolais qui ne savait même pas qui j'étais, mais qui m'a dit qu'il allait m'apprendre à comment publier un livre alors que j'avais déjà publié 15 livres. Et que lui, il en était à deux livres. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Donc, il a tout de suite imaginé que forcément, parce que j'étais une femme, tu Femme, vois, il allait effectivement, m'apprendre ouais. alors que je ne lui ai rien demandé du tout, tu vois? Et que C'est merci chaud. pour ça. C'est vraiment chaud. Tu comprends? Non, voilà, mais c'est le réflexe. C'est le réflexe, tu vois? Donc, il y a un travail à faire là-dessus aussi, hein, au niveau de nos fils. Frères, tu vois, leur inculquer. Mais ça, c'est comme, encore une fois, ça revient à cette question d'éducation dont je parlais, tu vois. Si on ne fait pas ce travail-là de façon consciente, systématique, délibérée, qu'on n'insiste pas, ben on va avoir toujours les mêmes comportements, machos, quoi.
exact, exact. En tout cas, on a un peu fait le tour, mais de toutes les façons, toi, tu as ton passe Millennium. Donc, c'est quand tu veux ici, c'est ta maison. Tu viens quand tu veux. Tu me dis, écoute, Fiston, prévois-moi une date. Là, j'ai un truc à raconter. Tu viens, d'accord? Donc, nous, l'évolution, okay. Là, je ne veux pas que tu reviennes dans 2 ans. Nous, on veut être au courant de ce qui se passe. Si tu mets une deuxième brique, je veux être au courant. OK? D'accord. OK, absolument. Merci à toi. Merci beaucoup. Bon, écoute, comme on a fait bien les choses, avant de faire cette émission, on a demandé la permission à nos ancêtres, tout cela, ça a été correct. Ben, on va boucler de la même façon. Comme ça, la boucle sera bouclée. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord, il n'y a pas de problème. OK. Bon, je te laisse t'en charger. Parce que toi, tu es initié, moi, je ne suis pas. D'accord. OK. Donc, disons merci à toutes les forces. La visée qui nous ont permis de nous rencontrer aujourd'hui, de parler, d'apporter un peu de lumière, apporter un peu d'espoir, apporter un peu de courage, de sagesse à nos sœurs, à nos frères, à nos enfants. Nous disons merci à nos ancêtres qui nous ont permis d'être là aujourd'hui. Merci à toi, Mobali. Vraiment merci parce que tu as pris l'initiative de mettre cette plateforme à notre disposition pour justement éduquer notre peuple. Donc, nous te disons merci aussi. Merci. OK. Bon, bah écoute, on se recheck. N'oublie pas de m'envoyer toutes les informations comme ça. Dès que j'ai fini, oui, je les poste. Oui, je t'envoie ça tout de suite. D'accord. OK. Matondo. Merci à toi. Matondo. Voilà, les amis, c'est plié. C'est fait, c'est bouclé. Je suis extrêmement fatigué là où vous me voyez là, les amis. C'est pour ça aussi que l'émission était un peu courte parce que je ne pouvais pas annuler déjà parce que j'ai une parole. J'avais dit qu'on allait le faire. Et le live, l'émission de ce matin, qu'est-ce que je dis? Vous voyez, je me mélange les idées là. La conférence qu'on a fait à 13h, elle n'était pas prévue. Elle n'était pas prévue, mais parce qu'on a eu des gens qui n'ont pas pu assister à la conférence. Et ils ont payé. Et moi, je ne peux pas. Dans mon tour, on n'est pas comme ça. On a une parole. Et lorsqu'on fait des choses, on fait des choses. Et on ne pouvait pas le laisser, même si la grande majorité avait assisté. Croyez-moi, même s'il y en avait 10 qui n'avaient pas regardé, on aurait fait tout pour quitte à faire une conférence pour eux. Parce que c'est comme ça. C'est la loyauté. Quand vous êtes engagé dans quelque chose, vous êtes engagé dans quelque chose. Donc, du coup, on a dû refaire la conférence malgré notre fatigue, malgré tout cela. On a refait la conférence et derrière, j'enchaîne avec une émission et vous me voyez là, j'en peux plus. Je suis extrêmement fatigué. Demain, je reprends le boulot. Mais bon, c'est le combat, c'est ça. Le combat, c'est ça, le kémitisme que nous avons choisi. Et on ne va pas se plaindre, mais je dis juste que ce n'est pas facile, c'est dur et je dis matondo. Qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, quand je finis le live, je mettrai le lien, toutes les informations que vous avez besoin, comme ça vous cliquez, vous allez rentrer en contact avec Amamazama concernant les cours qu'elle propose, mais aussi si vous voulez redonner des dons, parce qu'à l'époque je sais qu'on était nombreux à faire des dons là, moi-même y compris, eh ben on va redonner, hein. De toute façon les amis c'est pour la communauté, donc on va quand même le refaire quoi. Et puis comme ça mon nom sera dans les briques, hein. Comme ça on mettra dans la brique, ça c'est la brique de Mobali, voilà. Comme ça on ne dira pas que j'étais un camoustique qui parlait et puis il n'a rien fait. Donc ça c'est plié, les amis, mettez-moi en commentaire malgré ma fatigue, malgré, qu'est-ce que vous avez pensé de cet échange au calme avec notre maman? C'était du bon, c'était pas du tout du bon, hein. Mobali tu nous as carottes. Mettez les 5, c'est comme ça qu'on fait, c'est notre tradition ici chez Mobali. Donc je mets la musique du stress. Et on va faire notre petit vote habituel. Et puis voilà. Donc on vote. Moi personnellement, je mets 5-5-5 parce que j'aime bien Mamazama. C'est quelqu'un qui a un franc parler. Et comme moi j'ai un franc parler aussi, aucun problème. Vous voyez, quand je la titille, elle se défend. Je pose des questions. Hein. Je pose des questions un peu, tu sais, juste pour provoquer. Elle a pas froid. Elle y est, mon fils. Attention, ça fait longtemps que je suis dans le Kemti, tu vas pas me la faire. Ah, je l'adore. Bon, allez les amis, on y va. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai les yeux qui coulent, c'est la fatigue les amis, d'accord? C'est la fatigue. Alors, j'attends. Je vois les 5 défiler. Effectivement, tout le monde est en mode 5. Il y a une sœur qui a dit que moi, je veux 2 briques. Donc, elle va...
Excellent. Tu veux deux briques, mais tu vas faire deux dons séparés. Un pour ton nom et un pour ton prénom. Et les deux, on va les coller ensemble. Tiens, moi aussi, je vais faire pareil. Je vais payer un don. Je vais appeler mon Bali. Et le deuxième don, je vais l'appeler ma cassier. Je vais exiger qu'on mette les deux briques. Les deux briques à côté. Voilà, comme ça, ça sera fait. Bon, ben les amis, je vois que c'est unanime. C'est unanime, les amis. Vous êtes tous d'accord que bah, cette émission valait quand même la peine, même si je suis extrêmement fatigué. N'empêche qu'on a passé un bon moment au calme. Je vois des gens qui me disent « Moubali, mais parle-nous de la conférence !» Ah, les amis, il fallait être là. Si vous n'étiez pas là, les amis, ça, vraiment, j'y peux rien. Moi, j'ai dit, les amis, nous, on a fait le taf. En tout cas, les amis, on a fait le taf. Le taf a été fait. On a donné le maximum. La conférence, elle a duré... Attends, je vais mettre ma tête là. Voilà. Merci les amis. Voilà. Donc là, normalement, il y a du son. Ok, là, vous allez me dire qu'il y a du son. Voilà. Donc j'étais en train de dire, les gens m'ont posé la question de parler un peu de la conférence. Ben, je vais le faire. Je vais parler un peu de la conférence, les amis. C'était vraiment très, très bien. Je n'ai eu que des bons retours. Alors, la conférence, on a tout donné parce que on voulait vraiment, vraiment, vraiment que... prendre le temps de vous expliquer les choses, d'accord ? On ne voulait pas juste lire les diapos et puis vous donner des informations comme ça. On voulait vraiment prendre le temps parce que là, on s'est dit, il n'y a pas de contrainte de salle. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'est pas obligé de rendre les clés à telle heure parce qu'on a pris la pièce à telle heure. Il faut ranger la pièce avant de partir. Donc du coup, il faut raccourcir la conférence. Non, non, non. On avait tout le temps vu qu'on était sur Internet. Les gens, ils sont chez eux. Ils n'ont pas un train à prendre. Ils n'ont pas un dernier métro à prendre. Donc ils sont tranquillement chez eux. C'est un samedi. Donc on y va, on va prendre tout le temps pour expliquer les choses. Et vraiment les amis, moi c'est une fierté. Vraiment je suis très très fier d'avoir fait avec ma famille Montou ce boulot là. Très très fier d'avoir choisi ce sujet parce que c'est pas un sujet facile, croyez-moi. C'est vraiment pas, on a dû galérer pour avoir les documents, on a dû galérer pour avoir même ne fût-ce que des photos... pour avoir des sources, c'est vraiment une galère parce que cette époque-là, elle est très très mal documentée, vraiment. Vous pouvez parler de l'esclavage des Européens, c'est documenté, il n'y a pas de souci. Parce que les documents, bah, ils y sont, les Européens ont quand même pas mal écrit, d'accord, sur ce qu'ils ont fait aux Noirs. Donc là-dessus, ça va. Et puis on peut trouver très facilement, alors soit des photos réelles, soit des illustrations, très facilement, ça, bon, très facilement, entre parenthèses, hein. Mais voilà, ça passe. Beaucoup d'historiens européens qu'on appelle de bonne foi ont écrit là-dessus, d'accord, ont écrit là-dessus. Et beaucoup aussi de nos chercheurs aussi ont écrit là-dessus en se basant sur les documents des Européens. Donc en fait, la documentation en vérité concernant l'esclavage des Européens, ça va. Là où c'est beaucoup plus difficile, c'est concernant les Arabes, parce que ben, déjà nos ancêtres n'ont pas écrit. Ceux qui étaient censés en parler sont morts. Et leurs enfants ont été convertis à l'islam. Et peut-être que, je ne sais pas pour quelle raison, ils ne veulent pas en parler, c'est un sujet tabou. Les Arabes, ils s'en fichent complètement, parce que c'est quasiment les seuls. Hein. Les locodermes ont essayé de faire un peu semblant en créant des stèles, des jours, des machins de repentance. Même si on sait que c'est de l'hypocrisie, hein. Même si on sait bien que c'est du n'importe quoi. Mais ils ont fait au moins semblant, d'accord ? Mais les autres, franchement, hein, ils s'en battent les couilles. Donc jusqu'à aujourd'hui, même pas un truc de repentance, même pas un truc où ils vont poser même une fleur, une germe de fleurs pour dire oui, bon les Africains, on vous a vendu machin, une petite chanson pour vous, ou bien on vous met dans un truc là, vous pouvez faire du tam-tam financé par le gouvernement algérien, machin. Ils s'en battent les couilles parce qu'ils assument tout à fait ce qui s'est passé
Et de toutes les façons, vous êtes qu'une bande de nègres, donc vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Tu vois? Et donc, les documents, pour avoir les documents où ils parlent de ça, c'est vraiment, c'est une galère. c'est une galère. Et même, pour vous dire, quand il y a des historiens qui en parlent, de chez eux, hein, ils minimisent. Donc, ils disent les choses à demi-mot, tu vois, parce qu'ils ne veulent pas trop se mouiller. De toutes les façons, il n'y a aucun compte à rendre. Donc, en vérité, j'écris ce que je veux, en vérité, tu vois. C'est ça la difficulté lorsqu'on parle de cette histoire-là. C'est vraiment difficile vraiment d'aller au bout de la chose. Soit vous allez tomber dans des livres où on ne va pas en profondeur et vous allez vous contenter de ça. Mais vraiment, aller rentrer deep, ah, c'est casse-gueule. Vraiment, c'est vraiment casse-gueule. Et donc, ça nous a pris beaucoup de temps. Vous n'imaginez même pas. Ici, c'est des réunions. On commence à 19h jusqu'à 6h du matin. D'accord ? Et le lendemain, il faut aller travailler. D'accord ? Et ça, c'est tous les jours. C'est pas une fois, nana. C'est tous les jours. On se regroupe et on bosse 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 et on bosse. D'accord ? Ce n'est pas uniquement les gens qui ont présenté, que vous avez vu là. C'est pas uniquement eux. Qui ont fait le taf, c'est tout Muntu qui est ensemble, donc des gens que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu, tout cela, tout ça, c'est toute une équipe derrière, c'est plusieurs cerveaux en fait, c'est plusieurs cerveaux qui se sont mis là-dessus, ça c'est important de le signaler, d'accord. Mais vraiment, malgré qu'on a eu nombreux à travailler là-dessus, c'était vraiment une galère, c'est vraiment une galère. Donc très content qu'au final on a pu regrouper autant d'informations, d'accord. On est vraiment content. On est vraiment content, même si on est extrêmement fatigué là. Et nos frères là, mes frères et mes sœurs qui ont fait cette conférence ici, ont dû la faire chez moi à la maison. Ils n'habitent pas Paris, hein. Ils ont dû prendre le train. À l'heure où je vous parle, ça se trouve que certains ne sont même pas encore arrivés chez eux. D'accord. Et demain, c'est certainement travail, patati patata. Et malgré ça, les amis, on a fait le taf. Et le lendemain, parce que certains frères ne pouvaient pas se connecter. Ils n'ont pas pu assister à la conférence, on ne pouvait pas les lâcher, donc on a dû refaire la même conférence, faire en sorte de garder à peu près la même énergie qu'on avait pour refaire le boulot, parce que c'est comme ça, c'est ça la loyauté quand vous êtes engagé, c'est comme ça. Et ça vraiment je tiens à remercier tous mes frères et mes sœurs Muntu qui étaient dans les coulisses, qui ont dû gérer la com, qui ont dû gérer les mails, qui ont dû gérer tous les aspects techniques dont vous n'avez même pas idée. Que vous n'avez même pas vu, hein, qui ne sont pas visibles là, mais c'est des gens de l'ombre. Tous mes frères et mes sœurs, toutes mes sœurs, vraiment, je vous salue. Je vous salue et je vous dis au TEP et je vous dis merci parce que vraiment, je n'aurais pas, moi tout seul, j'aurais pas pu faire cela. Et c'est ça aussi la force quand on est en équipe. C'est ça la force quand on est en équipe parce que bah, du coup, bah, le travail est de meilleure qualité. On est beaucoup plus, je veux dire, c'est mieux en fait, c'est mieux à tous les niveaux. Être seul, vraiment, c'est pas du tout du bon. Donc, je suis vraiment très, très fier d'avoir cette équipe Muntu, parce que vraiment, c'est vraiment du très, très bon boulot. Et j'espère que vous n'avez pas été déçus par le travail qu'on vous a fourni. J'espère que vraiment, on a fait le taf et que vous êtes impatients pour suivre Mahafa 2, ce qui est déjà en préparation. Donc, hier, si on a fait 6 heures, c'est parce que bah, y avait beaucoup de documents et je peux vous dire qu'on n'avait pas fini. Donc, il reste encore d'autres documents. Donc, nous sommes obligés de faire un 2. On va essayer de trouver une date, on va d'abord un peu se reposer, et après tout de suite après on reprend le travail et on revient bientôt avec une conférence. Donc l'idée pour Muntu c'est de faire au moins 3 conférences par an. Donc là la deuxième elle arrive, ça va être Mahafa 2 et puis on va revenir avec un autre sujet pareil qu'on va voir, mais il y aura pas mal de choses. L'idée c'est vraiment de parler des sujets dont personne ne veut parler dans la communauté. Donc ne comptez pas sur nous pour vous parler de mélanine, ne comptez pas sur nous pour vous parler des Égyptiens et des Noirs, il ne faut pas compter sur nous pour vous parler des Médounétaires, on ne va pas vous parler de tout ça. Nous on va vous parler des choses dont personne n'a envie de vous parler parce que soit ils ne connaissent pas les sujets, soit ils n'en ont pas envie, soit ils savent, mais ils trouvent que ce n'est pas intéressant d'en parler alors que c'est intéressant d'en parler. Donc nous on va rechercher les sujets les plus casse-gueule, d'accord. C'est ça qu'on va vous exposer. Chaque fois que vous allez entendre que Muntu arrive, sachez qu'on viendra toujours avec des sujets vraiment, vraiment très difficiles. Et en général, vous allez venir, vous allez être choqués. D'accord ? Donc, voilà. En tout cas, bon taf. Moi, me concernant avec la conférence Le Code de la Bête, parce que c'est une conférence très, très importante. Déjà, pour comprendre
En fait, cette conférence, elle fait un lien avec toutes les autres conférences que j'ai faites et la conférence Maafa. Ça fait un lien. Et ça fait un lien avec ce qui la, la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, cette conférence, elle est vraiment très, très, très importante. Lorsque vous prenez toutes mes conférences, que vous mettez comme un puzzle, cette pièce-là, elle est vraiment importante. Vous ne pouvez pas manquer cette pièce. Mais j'ai vraiment envie de... Comment j'ai envie d'expliquer ? J'ai envie de vous faire découvrir d'autres chercheurs. J'ai envie de, moi, un peu, être un peu en retrait et mettre en avant mes sœurs et mes frères devant. C'est important parce que je n'ai pas envie de monopoliser tout cela. Je dois utiliser mon image pour faire avancer les autres. D'accord ? Je dois utiliser ma popularité, on va dire, entre parenthèses, pour mettre mes autres frères qui sont aussi compétents que moi, voire encore plus, mais qui sont encore plus jeunes que moi, pour faire le boulot. Il faut que j'apprenne à me faire remplacer. Donc, Muntu, ça va être ça. Vous allez certainement la prochaine fois, ça va être d'autres personnes. Ça va être d'autres personnes de Muntu que je vais vous faire découvrir. Donc, ne soyez pas étonnés. Donc là, vous avez découvert le frère Givoun, la sœur Urena, la sœur... comment ça s'appelle, Ablavi, tout cela, mais certainement il y aura encore d'autres personnes que je, très jeunes, très très jeunes, qui vont aborder ces sujets et je serai un peu en retrait parce que c'est comme ça, le kémétisme c'est comme ça, il faut renouveler un peu nos chercheurs là, il faut des jeunes, il faut des personnes un peu plus jeunes pour y aller au front et parler de ces sujets assez complexes. Voilà, donc c'est un peu ça l'agenda de Muntu, ok. Quoi qu'il en soit les amis, ben pour moi c'est terminé. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve le week-end prochain. On va parler du sport. Ça va faire un lien avec le sujet de la sœur Madili. Donc, c'était la sexualité. Attendez. Quelqu'un a marqué bloqué. Mais pourquoi on m'a marqué bloqué ? Pourquoi tu marques bloqué ? Je ne comprends pas ta phrase là. C'est bloqué, ça veut dire que je suis bloqué moi ? C'est toi qui es bloqué ? Parce que si toi qui es bloqué, on s'en fiche. Est-ce que je suis toujours en live, les amis ? Je ne sais pas. Quelqu'un dit je suis bloqué. Bloqué quoi ? Le son est bloqué ? Quoi ? Merde alors. Les amis, on m'entend là ou quoi ? De toute façon, je m'en fiche. Je voulais juste vous dire au revoir. Donc, est-ce que le chat, il monte là ? Tout est bloqué, les amis. Les amis, vous m'entendez ? Réagissez un peu dans le chat là. Parce que je ne sais pas, je sais pas si c'est mon ordinateur qui a bloqué le lien. Ah, oh, ok, d'accord. Bon, c'est bon. C'est bon. Bon, bref. En tout cas, moi, je vous dis merci. Ma tondo à tout le monde, toute l'équipe, toutes les gens qui ont assisté à la conférence, merci. L'équipe Muntu, merci. On se retrouve bientôt. La semaine prochaine, comme je l'ai dit, il y a un frère qui va nous parler du sport et ça aura un lien avec le sujet de la sœur Madili. Et ensuite, je ne sais plus qu'est-ce qu'on aura. Et après, le mois prochain, on repart avec des nouveaux invités. Je n'ai pas encore le planning. Je ne me suis pas concentré là-dessus. Mais de mémoire, je pense qu'il y a le frère Tété qui va certainement revenir. De mémoire, je pense que le frère de Mikoudi, là, j'ai oublié son nom, ma tête là, enfin bref, il va revenir, vous l'aimez bien, là. Le frère Ouamazoulou, voilà, c'est le nom que je cherchais, il va revenir. De mémoire, on aura un linguiste, quelqu'un de très important dans la communauté, mais j'ai pas envie de donner le nom pour l'instant parce que c'est un peu trop tôt, qui va revenir. Je pense que les histoires de le Mandombe, pareil, le frère, je vais le faire revenir. Il y a plein de personnes comme ça là qui sont déjà passées, mais voilà. En tout cas, Moubali, vous le savez, c'est toujours des invités qui en valent la peine. Donc, les amis, sur ce, on se quitte avec un générique parce que malgré la fatigue, malgré tout cela, je reste un professionnel. Je vous dis au TEP, à très bientôt. Ciao.